Ouais. Comment tu parles, toi? Quoi? Comment je parle? Je... Comme un Jones, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça va ou quoi? Bonjour à tous. Bonjour à tous dans ce live. Ok, je vais péter un plomb. Comment ça faire? Comment ça faire direct comme ça? Là, je viens d'arriver. Et puis, ça me fait. Ok. Ça me fait. Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Formez-toi. Bah écoute, ça va. Il fait... Moins 1000 degrés à peu près, mais ça va. Pas jamais pire cash sur Mario. Quoi? Non mais arrête, je suis le meilleur joueur du monde. Hein. J'ai d'ailleurs fait un speedrun sur speedrun.com si vous voulez voir de Mario 64, 1h57. Sais même pas ce que c'est les temps. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Mais ouais, c'est vrai qu'il fait quand même très très froid, donc j'avoue que... Là, je suis en train de me cahier dans ma chambre, donc si je suis nul sur Mario, eh ben c'est à cause du chauffage. 9 dans l'appart, je peux pas mettre de chauffage parce que la VMC ne fonctionne pas. Aïe, 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 aïe. Il n'avait pas anticipé l'hiver. L'hiver qui arrive un peu trop vite. Salut Octa, comment ça va? Tu sais, je fais que passer, ça marche. Pas de soucis. T'es encore au travail? Heureux. Oh Todd, salut. Ah oui, c'est vrai, on s'est vu chez un petit peu chez Nilo. J'étais au travail, tu vois. J'avais mon petit écouteur là, avec la main cachée, parce que il voulait pas trop. Enfin, il kiffe pas trop au travail quand tu mets tes écouteurs et tout. Donc voilà. Mais j'étais là. Merci! Merci Titou pour les 9 mois, pas le bébé. OMG, le bébé, il est là. Il est là, merci. Ça régale. Merci à toi. 9 mois quand même, hein. C'est fou. Hein. Salut, salut, salut. Bon, mon lit il est pas fait. Est-ce que c'est si intéressant que ça? Est-ce que c'est si grave que ça? Je pense pas. On va comme ça, tu vois, on éclaircit les choses directes et puis, puis voilà, on n'en parle plus quoi. Avec Titou, Biquette. Non, je viens de rentrer il y a pas longtemps, JPP. Aïe aïe aïe. C'est vrai que toi, t'as des putains d'horaires. Hein. Se lever à 4 heures là, comment ça? Écouteur dans la manche, OMG, il s'agit du lycée soudainement. Ouais, sauf que maintenant, il n'y a plus de manche, tu vois, ou quoi. Mais c'est vrai, je posais ça au lycée aussi. Un petit peu. Parce que j'étais pas non plus un forceur de fou. Mais maintenant, c'est les AirPods, quoi. Les AirPods de Huawei qui coûtent 20 balles. Donc, autant dire que jamais de la vie, j'allais payer les AirPods de Apple à 200 balles, c'est mort. De toute façon, j'ai une oreille de merde. Donc, dans tous les cas, le son. Je vois pas la différence quand il est dégueulasse ou pas. Donc bon. Mec, j'ai un temps carville avec mes slibards qui pendouillent en stream. Tu crois c'est important? Bah putain, j'avoue. J'avoue que c'est pas si important en plus. Attends, tu sais quoi? Je devrais quand même décaler le linge alors. Parce qu'en vrai, c'est important, tu vois. Important. Tomber mon temps carville. Let's go. Hop. Comme ça, on est bien là. Voilà. Là, on est mieux. En plus, attends, y... merde. Il y a des trucs qui sont pas à moi. Aïe, aïe, aïe. C'est le secret pour être fort à jouer au guesseur. OMG, c'était donc ça? C'était donc ça? Avoir son live qui part derrière. Putain, bah... Je pense que je vais faire ça, ouais. Pour les lives GeoGuessr, on va mettre tranquillement son petit linge à côté, quoi. En vrai, ça peut le faire. Petit linge sur le côté. Bah, attends, par contre, j'ai fait tomber mon truc là. Hop. Ouais. Attends. Il y a aussi un truc que je dois aller chercher là-bas. Tu sais, le mec, il est pas devant son PC, quoi. Ok. Eh, on joue à Mario quand même, il faut Luigi qui soit là pour nous assister. Je sais pas si rentre là, est-ce que c'est fou? Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va jouer à Mario Galaxy. Pas du tout chiant comme position. On va jouer à Mario Galaxy, je sais pas si vous avez joué à Mario Galaxy, mais moi, je n'ai jamais joué à Mario Galaxy. Tu t'es pris pour un kangourou ou... Mais écoute, en vrai, on va le mettre là, hein. On va le mettre là. On va voir juste ses petits yeux là. Attends, ça passe pas trop. Ouais, c'est pas ouf. Jamais joué. Ah ouais? Oui, c'est vrai, tu m'avais dit quand on jouait à Sunshine que tu t'étais arrêté à Sunshine. Bon, il me saoule. On va le mettre là.
Attends, hop. Voilà. Ah, moi, par Mario Kart, bah ouais, je comprends après. Mario Kart, c'est le truc de base, vraiment. Spoil, Mario a un pantalon et il ressemble à un plombier. OMG. Oh non, ça me dégoûte. Et là, tu spoil direct comme ça, là? Non, c'est trop. Trop de faire ça. Moi, je voulais kiffer le jeu et ben, maintenant, j'ai plus envie de jouer. C'est abusé, quoi. Ouais, voilà, tu t'étais arrêté sur Sunshine. Meilleur Mario. Ah ouais? Tu l'as fait, toi, du coup, Pyrox? Moi, pourquoi je l'ai pas fait? Eh ben, en vrai, j'ai aucune raison de ne pas avoir fait ce jeu. Parce que, à l'époque, bah, j'avais la Wii. Tu vois, encore, j'avais pas la GameCube, donc je pouvais pas faire Sunshine. Mais j'avais pas... J'avais la Wii, donc j'avais vraiment aucune excuse de pas l'avoir fait. Donc, on va dire que c'est parce que je préférais Zelda, au pire. Ouais, je sais pas. Moi, ce que j'avais, en fait, sur Wii, c'était les Mario Bros. J'avais pas trop de Mario de base. Genre, d'ailleurs, je sais même pas ce qui est sorti, mis à part Mario Galaxy. Je crois que Mario Galaxy est sorti en 2007. Un truc comme ça. 2007, j'avais 8 ans. Et vous? Et toi, Titou, t'avais quel âge en 2007? Et toi, Todd, t'avais quel âge? Question comme ça. Je sais que passer aussi, vous voulez faire un petit coucou, bon stream, ça marche, Biquette? Bah, la prochaine, alors. Étends bien ton linge. Et Yoshi, le pote, personnage of all time. C'est vrai qu'il est sympa, le man. C'est vrai qu'il est très sympa. On va voir s'il est dans le jeu, j'espère. Hein, sinon, je rage quitte, je pense. Mais en tout cas, ouais, aucune raison de ne pas avoir joué à Mario Galaxy. Donc on va rattraper ce retard. Apparemment, ça serait le meilleur jeu Mario d'après Pyrox. Donc en vrai, si c'est un peu nul, c'est la faute de Pyrox. J'avais 16 ans, je fumais des bédos derrière le lycée. Pff, oh là là, le fou, il était là. Les gars, je suis allé dans une galaxie là tout à l'heure, c'était incroyable. Oh, salut Redrock, comment il va? Salut. Oh, Mario Galaxy, attends. En terminale, je crois, OMG. Bah attends, vous avez le même âge, Todd et Titou? En tout cas, Todd, t'as toujours un peu de délai sur le live, ça me fume. Ah bien, et le chat, comment il va? Bah écoute, moi ça va. Le chat, je sais pas, je peux pas m'exprimer en leur nom, ça serait un peu abusé. Mais moi ça va. Ouais, je suis content. Je pense, en fait, j'ai envie de faire 3 streams par semaine. Sauf que plus la semaine avance, plus des fois, il y a des trucs qui s'invitent à la dernière seconde. Où j'étais malade récemment, donc enfin il y a 2 semaines, donc c'était pas fou. Mais j'ai envie de faire 3 streams par semaine en vrai. Ça me fait chier de faire que du GeoGuessr, je vais pas vous mentir. J'aime bien GeoGuessr, mais j'aime bien quand c'est espacé avec un autre jeu. Parce que sinon, pour moi, c'est trop. Parce que moi, je suis pas le tryharder sa mère, donc j'aime bien GeoGuessr, mais trop, faut pas forcer quoi. Le chat va bien, bah écoute, si le chat il va bien... Putain d'ailleurs, je sais pas où il est mon chat. Je l'ai pas vu aujourd'hui. Ouais, il est pas par la fenêtre apparemment. Bon. Et sinon, il y a un plombier qui est censé venir chez moi. C'est pas moi qui vais ouvrir, mais du coup, si ça sonne à un moment, bah c'est le plombier. Il sera juste derrière là. On lui demandera de faire un petit coucou en stream. Et puis voilà quoi, tranquillement. Il va se mettre très très bien. It's a me, Mario. Exactement. Un plombier et ça joue à Mario. Mais non, c'est fou quand même. Putain, mais je vais lui demander un peu ce qu'il pense du jeu, hein, je pense. On va faire une petite interview. Est-ce que ça marche vraiment comme ça? Est-ce que vous mangez des champignons pour grandir? Pour réparer la tuyauterie? Je sais pas. Wesh, tout le monde, ça dit quoi? Eh ben écoute, ça diffère déjà, et moi ça va bien, Mizu. Ça va bien. Et toi? Je regarde un truc là. Ouais. Ok. Apparemment, ouais, ça a l'air d'être pas mal. J'ai à peu près config la Switch, vu que j'ai eu 20 minutes pour le faire entre le moment où je suis rentré du travail et maintenant, bien sûr. Donc, ça a été assez rapide. Je me suis pas fait ferrer d'un plaisir. Ouais, bah écoute, je sais que ça peut faire mal, mais bon. Écoute, c'est pas grave. Ça va et vous? Bah écoute, ça va nickel, voilà, comme dit Pyrox. Moi, c'est tout pareil. Quoi? Putain, pourquoi j'entends maintenant les sons? Comment ça là? Putain, j'ai...
Oh, j'ai le badge du 12e mois maintenant. Mais oui, parce que c'est le mois où j'ai commencé le stream, le mois d'octobre. Mais je sais plus quand j'ai commencé exactement. Donc on peut même pas faire les 1 an d'anniversaire, parce que je sais pas quand c'est. Comment on fait? Mais ça doit être dans ces jours-ci, là. Genre vers fin octobre. Après j'avais stream... J'avais stream sans cam pendant longtemps, en vrai. Faut faire un live anniversaire de 24 heures. Ouais, 24 heures, ouais. Moi, je suis le mec qui stream le moins longtemps depuis que je travaille. Donc ça me saoule, en vrai. Moi, j'aime bien stream, mais vas-y, tu sais, t'arrives... Et il est déjà 20, 21h30 en mode, bon, bah, voilà, j'ai fait que 3 heures. En mode, bon, c'est chiant. C'est pour ça que c'est un peu relou de live le soir, je trouve, quand tu peux pas te coucher hyper tard non plus et que tu dois manger. Et il y a des petits inconvénients, quoi. J'aurais toujours 3 mois de retard, du coup. Pourquoi ? Ah, par rapport à... Oui, toi, t'as 8 mois ? Non, t'as 9 mois, du coup, vu que tu viens de resub. Merci beaucoup, d'ailleurs, encore. Effectivement, de follower depuis le 30 novembre 2022, mais non, Titou, est-ce que tu serais le OG? Est-ce que tu serais le OG? Attends, on a qui là? On a Mizu 6 mars 2022, Pyrox, c'est quand du Pyrox? 27 février, ok, pas mal, Redrock, je pense que t'es un OG, ouais, Redrock là. Oh là là, follower depuis le 31 juillet 2021 carrément, mais c'est un malade, j'étais même pas en train de stream, il m'avait déjà follow quoi. C'est un fou. Dis tout, c'est le patient zéro. Non, le patient zéro, je pense que c'est Nardinus. Je pense que c'est Nardinus, le patient zéro. Attends, il y a Todd aussi, Todd. 6 mars, mais non. Mizu et Todd, vous êtes arrivés le même jour. Je sais pas ce qui s'est passé ce 6 mars. Et ça devait être un jour béni. Octa, 3 avril, un peu après. Iquette, 22 mai. Ok. Sinon, là, j'ai passé tout le monde, j'ai l'impression... Ouais, j'ai passé tout le monde. Incroyable. Et ouais, ce 6 mars, l'humanité s'en souvient. Ouais, j'ai la flemme. Bref, en tout cas, voilà, là, c'est un écran noir, donc ça n'a aucun rapport avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Pourquoi j'ai fermé mon... Attends, je voulais juste faire un truc. Ouais, voilà, c'est ça. Je voulais juste voir, effectivement, Mario Galaxy, 1er novembre 2007. Donc je sais qu'en ce moment, il y a... Il y a Super Mario Bros. Wonder qui est sorti. Nous, on le fera plus tard, un peu en décalé de tout le monde, parce que nous, il nous restera... Après, je sais pas si on va les faire directement après, ça dépendra de mon humeur, mais il y a Galaxy 2 et il y a Odyssey entre ces deux jeux, donc à voir. Il y a un OG, c'est un stalker, Redrock. Ouais, j'avoue que Redrock, bizarre, hein. Bizarre, genre le mec il était là avant que je stream. Après, mais j'ai pas stream en 2021 un peu. Si, putain, j'ai stream en 2021, mais j'ai stream genre 2-3 fois parce que je voulais jouer à Sekiro. Je voulais jouer à Sekiro et au final je l'ai fait en stream 2 ans plus tard. Mais ouais, c'était cool. Après, le problème, je crois, c'est que j'avais pas beaucoup de connexion donc je pouvais pas faire le mec. Un peu le souci. Hop, la Switch. Oh, chou. Non. Non, la dinguerie. Attendez. Non, c'est ça. Salut. C'est moi. Je suis là. Nombre de morts. Bon, effectivement, il y a déjà un compteur. Il est à zéro. Est-ce que ça va augmenter assez vite? Peut-être. Peut-être. J'ai quelques soucis pour synchroniser mon cerveau et mes mouvements, des fois. Donc, ça peut être compliqué. Dites-moi si le son, c'est bon. Déjà, je vais enlever la musique, la Zikmu, parce que, voilà. On va voir si le son est bon. Est-ce qu'on a du bon son? OMG, it's good. Ah là là, it's me Mario. Eh ben écoutez, après avoir fini 64, non sans peine bien sûr, Sunshine 2002, est-ce que... Non. On passe... À Mario Galaxy, Super Mario Galaxy même, je dirais même plus. Sorti le 16 novembre 2007 apparemment, donc Wikipédia ment déjà, je trouve ça un peu abusé. Peut-être même un poil fort la musique, ah ouais? Jure, j'avais 3 ans, allez, quoi? Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a
Toi aussi, t'es un genou. T'es un genou, Pyrox. Hop, je baisse le son. Est-ce que c'est mieux, là? Non, tu sais quoi, je vais baisser autrement. Tac. C'est quoi, je vais mettre ça à 50. Là, c'est bien ou pas? Oh, y'a plus la musique. Péter un plomb. Attends, y'a le philharmonique de Mario, là, j'ai l'impression. Et toi, t'avais quel âge en 2007, Mizu? La petite zikmu, là. Ok. J'espère que le son, c'est bon. On y va. On y va pour cette découverte, bien sûr, de Mario. Galaxy. OMG. OMG, le logo. 14 ans en 2007. T'as 11 ans d'écart avec Pyrox. Je suis en maths ou pas? En vrai. Première classe de neige en 4ème. Ah ouais, ça se mettait bien. Musique de ce jeu, vraiment. Ah là 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 là. Ça va se mettre très très bien. Appuyez sur R, touchez l'écran. Ok. Choisissez un fichier. Hop. Déjà, je suis... Oh, ok, je suis softlock dans le jeu. Pourquoi ça? Attends. Ok, je suis softlock. Impossible. Appuyez sur R, touchez l'écran. J'ai appuyé. Pourquoi ça? C'est cassé. T'as-t-elle les 30 ans cette année, Mizu? Ouf. Ça fait mal de dire ça, tu sais. Fais ça un fichier. Mais ta mère! T'es injouable! Softlock, putain. Première mort dans le menu. Vas-y, là, en plus, c'est un moucheron. C'est bon, je pue pas. Attends. Non, c'est pas ça. On peut jouer en coopération? Non. Ça marche pas? Ça veut pas bouger. Je comprends rien. Le jeu est bugué. C'est injouable. C'est injouable, j'ai l'impression. Appuyez sur R. Je suis en train d'appuyer là. J'appuie. Pourquoi ça bouge pas? J'avais déjà des cheveux blancs, plus un début de calvitie, donc c'est pas le pire les 30 ans. Aïe, aïe, aïe. Les cheveux blancs et la calvitie, ça arrive fort. Hein. Bon bah, c'est injouable. Je vais faire avec la Switch. Hein. Hop, désolé. Je vais faire comme ça. Hein. Écoute. Ah mais non, ça... What? J'ai l'écran. Voilà. Ok, c'est bon, c'est bon. J'ai un soft lock. Vous voulez créer une sauvegarde? Voilà, toi. Voilà. Ça va se reconnecter direct ou pas, vous pensez? Pas, pas, pas. Est-ce que le son est décalé? Je ne sais pas. Par contre, le... C'est quoi ce bordel avec le stick, là? Ça ne bouge pas. Je comprends pas. C'est buggé? Il faut une manette spéciale pour jouer? Calvici, ça va? Voilà, je reste encore bien chevelu. Mais oui, j'ai vu ça en stream, franchement, ça va. T'es épargné. Salut, salut Mini. On est softlock. J'arrive pas à jouer. Comment tu vas? J'arrive pas... Putain, mais... Genre, je vous jure, t'es en train de bouger le putain de joystick. Ça n'avance pas. Attends. C'est cassé. Choisissez une icône. En plus, c'est juste pour une icône, quoi. Attends. Marche ma manette ou quoi? Je vais la débrancher, hein. On va voir. C'est pas ça. Hop. Ah. Oups. Ok. Non, je vous jure, c'est cassé, hein. Ils font un truc spécial. Oh non. Imaginez, il faut le... Attends, ceux qui ont une Switch, là. Vous savez, le truc, là, pour tourner la manette, là. Je sais pas si vous voyez. Je sais plus comment ça s'appelle. Le... Genre, tu peux orienter ta manette et ça peut bouger. Une main, ouais, voilà, c'est ça. Malheureusement, j'en ai pas, du coup... Bah, ça marche pas, en fait, depuis tout à l'heure, je comprends pas. Mais ouais, là... Non, comment ça s'appelle, putain? Le...
Attends, je vais voir sur internet. Mario Galaxy, Switch. Problème. Manette. Le stick des manettes ne répond pas. Correctement, ne fonctionne pas. Mais non, mais ça, c'est pour directement... Moi, c'est directement pour... curseur sur la manette gauche. Je viens d'acheter All-Star et sur Galaxy, je me rends compte qu'il n'y a absolument aucun moyen de configurer les Joy-Con pour utiliser la manette gauche comme curseur. Vraiment, c'est pas moi qui ai mal fouillé. Dur, tu devrais rendre le jeu. Pourquoi il devrait faire ceci? Le but de Mario Galaxy était justement d'obliger l'utilisateur à utiliser le gyroscope pour atteindre son but. Ah, mais attends. Peut-être juste que je dois jouer avec ça. Un joystick, le bâton de joie. Exactement. Non. Je sors ça. Genre en mode Switch. Oh putain. C'est ça. Attends. Ok. Yoshi, hop. Oh, je vais balancer mes Joy-Con à travers l'endroit là, je pense. Attends. Désolé. OMG, la grosse tête de Yoshi là. Jouer avec ce fichier. Hop. Nikimochi. C'est quoi ça? Cette année-là, au-dessus du royaume champignon, apparut une comète qui couvrit le firmament. Waouh. Ok. De cette comète qui revient tous les 100 ans tomba une pluie d'étoiles filantes. Mais non. Oh, le petit artwork en vrai là. Pas mal, hein. Pas mal. Et Toad ramenèrent ses éclats d'étoiles au château où ils se transformaient en super étoiles. Incroyable. Par contre, là, ils ont volé des étoiles, quoi. Pour les mettre dans tes yeux. Non, c'est trop. Trop de faire ça. Cela aurait dû être une grande joie pour les habitants du royaume champignon. Mais... Ah non. C'était la nuit du festival des éclats d'étoiles qui se tient tous les 100 ans en l'honneur de la comète. Mais... Waouh, ils ont lâché un JPEG de Peach dans la lune, là. Ok. Sans vergogne. Cher Mario, je t'attendrai au château le soir du festival des éclats d'étoiles. J'ai quelque chose à te donner. Mais non. Ton cœur, peut-être? Non. C'est le moment, vous pensez? Après la clim qu'elle nous a mis dans Sunshine? Peut-être le moment. En train de chercher, là. Trouve pas mes joysticks. En fait, vous savez, il y a des... Non, c'est des... Ça s'appelle des dragons. Pour mettre sur les... Sur les petits joysticks. Et en fait j'ai peur de lâcher de faire comme les vieux quoi. Balancer mon joystick dans l'écran. Bon. Au pire ça fera un clip. On verra. Du coup le son ça va? Les dragons. OMG. Attends, direct là? Direct comme ça? OMG. Oh le salto arrière. Il est maîtrisé là dessus Sondage, Peach va se faire enlever, oui ou oui. En vrai, je pense que oui, hein. Y a moyen. Enfin, par contre, le contexte... Je sais pas si le son est assez fort. Oh, OMG, attention. Ouais, j'aime bien ça. Déjà, la caméra est beaucoup plus agréable à prendre en main que dans les précédents Mario que j'ai pu faire. Donc, Sunshine et 64. C'est plutôt pas mal. Le festival des éclats d'étoiles a commencé. Mais non. Oups, pardon. Attends, y a des trucs derrière. Salut. Je me casse. En vie. Attends, je peux glitch ou pas? Hop, Théma. Après, la question, moi, je pense plus, c'est est-ce que, au bout de combien de temps, je vais mourir en arrivant dans un monde? Je pense que en 3 minutes 37, c'est bon. Si ce n'est moins. Alors, tu ramasses des fragments d'étoiles, là. Ok, il faut ramasser des... Ah, mais attends, on est déjà dans le monde, là? Là, c'est déjà le commencement. Hop, voilà. Des éclats d'étoiles. Il y en a un peu de toutes les couleurs. Écoute, on prend. Non, elle est disparue. Je vais péter un peu. Princesse Peach t'attend, ok. Attends, il y en a un autre derrière. Ok, 12. Je suis riche. Je suis riche, les gars. Hop là. Oh, cinématique. Oh. Mais non. Ah ouais, comment ça? Comment ça balance se fait attaquer encore une fois? Oh non, putain. Vous savez quoi?
Peach, elle va se faire enlever. Non, c'était trop... impromptu. Ok. Esquive. Tous les jeux, la princesse se fait enlever. Bah ouais, ça dégoûte. Super. OMG, le pavillon. Le pavillon de Bowser. Toi, tu l'as fait ce jeu mini ou pas? En 2007. Quand Pyrox avait 3 ans. Mais qui ça peut bien être? Je sais pas en vrai. Hein. Je sais pas. Hein. Un bateau volant. J'ai déjà vu ça quelque part. Oh la musique. OMG Bowser. Non. Je te conviens, si c'était un là, j'ai pas eu le temps de dire. De la nouvelle galaxie que je vais créer. Pardon, je vais te laisser parler. Je peux remercier les étoiles, comment ça? Ah non, moi j'ai joué qu'à Geoguessr. Comment ça? J'espère que Peach a une Switch ou une DS parce qu'elle passe sa vie à attendre la pauvre. J'avoue, autant qu'elle vienne se sauver directement. Elle vienne se sauver, qu'elle puisse patienter un petit peu. Alors du coup, il y a Bowser, ouais. Effectivement, il a cristallisé les Toads, ça dégoûte un peu. Mais bon, c'est pas grave. Je mangeais de la colle en maternelle. Exactement. Comment ça, hein? Comment ça? Attends, du coup, pour tourner la cam... Ah là, je peux pas la tourner, tu vois. Les amis ont été emprisonnés. La princesse est à l'intérieur. Oh non! Oh non, c'est encore une fois les soucis pour Peach. Ça n'arrive jamais, hein. Trop bizarre. Attends, il y a le petit lac à côté de son château ou pas? Comme dans... Aïe! Ok, comme dans 64. À l'aide! Oh non. Mais que faire? Ok, c'est loose, je pense. Quoi? Mais... Il y a des extraterrestres. On est où, là? Comment ça? Ouais, lui fait un dégradé laser, là. C'est quoi, ça? Ah ouais! Non! Non, le pan! Mais non, Docteur Octopus, qu'est-ce qu'il fait là? Des chaînes, ok. Ok, c'est bien tendu. On y va, les gars. Oh non, elle se fait enlever. Oh non. Bon. Écoute, ça aura été très très vite, Pyrox. Franchement, bien joué. Personne ne s'y attendait. Hein. À ce niveau-là, personne. Oui, il fait quoi, lui? OMG, la Terre est ronde. Voilà, tous les platistes. C'est prouvé dans Mario. Elle respire dans l'espace. Tout va bien. Mais non. Ouais, écrase-toi au sol et souffre. Mais il a pété un plomb. Il va me buter. Non, c'est une dinguerie de faire ça. Quoi? Mort. Mario mort, fin du jeu. Il a pété un plomb, qu'un mec. Ah, mais c'est bon, il y a Luma là qui va me sauver, c'est ça? Je sais pas si c'est Luma. J'ai l'impression que le son est pas assez fort. J'ai un peu augmenté. Voilà. OMG, la planète. Encore ronde une fois de plus. Ça y est, tu te réveilles? Allez, viens jouer avec nous. OMG. Par ici, saute avec B, ok. Ok. C'est win, je sais sauter, j'ai pas besoin de plus. Oh, par contre, là... Attends, il y a ce système de comment ça s'appelle? Où il faut pointer. Bon, à cache-cache. Ah bah oui, c'est le moment. Je dirais quel est cet endroit si tu nous attrapes tous. J'ai que ça à foutre. Non, c'est trop.
Ah, il a disparu. Merde. Hop. Bon. Hop. Pas peur de se mouiller. C'est sûr, il est là. Hop. Attends, mais... Je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Ah, comment... Comment on l'attrape? Une touche? Oh, attends, il m'esquive. Il va trop vite. Il est injouable. Oh, putain. Ah oui, il faut orienter comme ça, là. Pour suivre la... Ok. La bonne direction. Zut, tu m'as attrapé. Hop là. Zut, j'aurais dû me cacher dans un trou. Ok. Ah, c'est comme ça que t'orientes la caméra. Je pensais que c'était juste pour faire joli, quoi. Une théorie qui dit que Mario est mort là et que Mario Wonder, c'est ses rêves à partir de là. Pas du tout, j'ai tout inventé. Le bâtard. Moi, je commence à y croire. Je suis en mode, ah ouais, en vrai, c'est pas si con. Franchement, il y a un truc. Pas du tout, super. J'ai détruit mes rêves. Ok. Je suis sorti où, là? Oh, ok. Non, par contre, là, je vais vomir. La tête à l'envers, comme ça, non, c'est trop. Ok. Dieu, tu m'as attrapé. Dieu, j'aurais dû me cacher dans un trou. Mais non. Première fois qu'on me dit ça. Et du coup, imaginez, le dernier, il est dans un trou, là. Ça serait pas fou, quand même? Alors, ce trou, là. Wow. OMG. Ça fait comme quand tu creuses un trou à travers la terre et que tu te retrouves en Chine, c'est ça? Non, je voulais pas. Merde. Quoi? Ok. Pas compris. J'ai pas compris du tout, mais tranquille. Viens là! Mais... Ok. Ah, quel dommage! Bravo, tu nous as tous attrapés! Tu devrais certainement pouvoir aider maman. Maman? Comment ça? Les conséquences terribles de la consommation de colle dès le plus jeune âge. Ah bah oui, hein, c'est ça. Après, tu te passionnes pour GeoGuessr, quoi. Ça part de là, hein. Ça part de là. Eh ouais, ça va très très vite. Attends, ok. Attends, c'est Rosalina. Comment elle s'appelle? Non, c'est Harmony. Harmony, pardon. Rosalina, c'est en anglais. Sorry, guys. Je t'observe depuis très très longtemps, depuis cet endroit, le portail céleste. Elle parle pas comme ça. Je pense pas. Mon nom est Harmony, je suis la vigie des étoiles. Ah, il y a mon frère qui m'appelle. Ouais, il y a le plombier, mon frère va pas ouvrir. Je vais péter un plomb, je pense. Pour retrouver celle qui t'est chère, tu auras besoin de pouvoir... Bon, vas-y, je reviens. Je reviens, il y a le plombiste. J'arrive, ok? C'est pas Mario, hein, je vous le jure. Normalement, a priori. Attends. Hop, j'arrive. À de suite. Plombiception moment, eh oui. Non mais vas-y, là je suis sorti de ma chambre, il y a mon frère qui commençait à sortir, et là il dit, mais non vas-y, et en fait je dis, bah non vas-y, toi t'es debout, et du coup non, mais en fait c'est toi, du coup personne y va, je pète un plomb, ça a ressonné, est-ce que j'y vais? J'ai la flemme de me lever en fait. Oh mais il est casse-couille, c'est trop, vas-y, je reviens. Thank you.
Ouais. Bon. Bon, il est passé le plombier. C'était pas Mario, hein. C'était pas Mario, le mec. Je vous jure que c'était pas Mario. Il avait pas la moustache et tout, j'étais un peu choqué. Surtout qu'il est resté genre 2 minutes, il a fait « Ok, ouais, il faut tout changer ». Et après, il est parti. Bien joué à lui. Pour retrouver celle qui t'est chère, tu auras besoin de pouvoir voyager à travers l'univers. Ok. Ok, mon gars. C'est bien du coin. Je confie ce Luma. Ah ouais, j'ai la ref. J'ai joué Harmony et Luma dans Smash. Merde, c'est pas la bonne manette. Alors, vous pouvez à présent tournoyer, agiter ou appuyer sur Y pour tournoyer. Ok. Y, ouais, bon. Comme toi, un grand malheur s'est abattu sur nous. Avec l'aide de ce Luma, tu dois sauver nos amis, les grandes étoiles. Ok, ça marche. Que les éclats d'étoiles te protègent. Bah écoute, on part là-dessus. Bon, du coup, en vrai, la théorie comme quoi Mario est mort, j'en suis sûr que c'est pas forcément faux, hein. Enfin, ça peut être un truc. Bon, du coup, on tournoie. Je peux tournoyer comme ça, et je peux tournoyer en sautant ou pas? Quand tu vois une chose qui a l'air fragile comme celle-là, agite pour tournoyer, ok. Tu peux aussi utiliser Y, et si tu touches un ennemi en le tournoyant, il sera assommé, ok. C'est win. Ok. Boum. Voilà. Incroyable. Attends, j'ai fait quoi là? Ceci est un anneau d'étoiles, il sert de base de lancement pour s'envoler d'une planète. Ok, place-toi à proximité et agite ton joystick pour voyager à travers les étoiles. Aussi appuyer sur Y, évidemment. Allez, envole-toi vers les galaxies, je te souhaite de tout cœur de réussir. Bah écoute, je vais mourir premier monde, comme d'habitude, et puis on sera pas mal, hein. Ok, OMG. Vol en vol. Ok. Pas mal, pas mal. Je t'attendais, je t'avais préparé un anneau étoile. Mais une météorite est tombée et il a éclaté en morceaux, tu ne vas pas pouvoir partir de cette planète. Où sont tombés les morceaux? Cherche-les, mais fais attention où tu mets les pieds. D'accord. Hop. Et c'est ces morceaux-là. Ok. Attends, du coup, je peux faire ça. Ouais, ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Et une météorite. Péter un plomb. Oh, une vie. Ça va me servir de fou. En vrai, objectivement, ceux qui savent, est-ce que Mario Galaxy est plus dur que les deux précédents que j'ai pu faire, la 64 et Sunshine. Parce que en vrai, on peut comparer un peu le nombre de morts pour voir vraiment sur lequel j'ai le plus galéré entre les trois. Sachant que moi, je fais jamais les 100% parce que j'ai la flemme, en gros. Attends, il est où le dernier, là? Ah, il est là-bas? Non, c'est Luma. Ah, il est là-dedans. Voilà. 5. Ok, on va pouvoir se casser. Allez, vite. On y va. Bon, désolé hein, pour le plombier. J'avoue qu'il m'a un peu pris de court. Et ça m'a les sous. Hop. Hop. Boum. Par contre, je vous jure que si je continue à agiter... si je continue à agiter le joystick, à un moment, ça va partir. Ça va partir une grosse patate, là, et c'est terminé. Dans moi de là, l'un des ennemis doit avoir la clé. Tourne-moi en agitant machin ou en appuyant sur Y. Lorsqu'un ennemi est assommé, fonce dessus. Ok. Je suis pas lui. Ok. Là, du coup, on lui tourne dessus. Et c'est tout, en fait. Peut-être ça marche pas sur certains mobs. On va voir. Ah oui, comme ça, là. Ah oui, d'accord. What? Ok. Il y en a qui meurent pas direct. Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça l'idée. On a une clé. Et on va pouvoir libérer cette petite Luma. Bonjour. Merci, tu veux bien aider aussi mes amis qui sont là-haut dans la forteresse? Eh hey. Oh, c'est bon. Moi, je suis venu pour Peach. Je suis là, je dois sauver des étoiles. T'as vu la gueule des étoiles en plus? Non, c'est abusé. Abusé. De toute façon, à chaque fois, on doit faire 1000 trucs pour aller sauver Peach. Alors qu'on pourrait directement aller la voir. Ça me saoule. Je vais me changer en anneau. Transformation. Ok. Et c'est parti. Hop là. Ok, bonjour.
Bonjour, hein. Ah, je vais mourir. FF. I. Ok. Voilà. Putain, mais... What? Pourquoi ça tourne en rond? Ah oui, mais non, c'est vrai qu'il faut, bien orienter la chose. Hop. Tac. Un peu perturbant quand même d'avoir le truc à l'envers comme ça, mais franchement, dit quand même pour un jeu de 2007, le truc est incroyable. En 2007, tu te fais des trucs comme ça où ça tourne dans tous les sens. C'est quand même assez fou, j'ai l'impression. Par contre, lui, il est un peu gros, là. Oh. Ok, je vais le shooter. Et boum, mon pote. Ok. En 2007, il y avait quoi sinon comme jeu? 2007, il y a genre le premier Assassin's Creed qui sort, c'est tout. Non, je rigole. En vrai, je sais pas. Je sais pas ce qui est sorti en 2007 pour avoir un petit peu une idée de comparaison avec des jeux qui de cette époque-là, quoi. Par contre, c'est où, là? Non, c'est sur le côté, je suis con. Attends. Non, c'est... Putain, me fait taser! Non, c'est trop. Jeu impossible. C'est pas qu'on peut sauter, j'avais oublié. Pokémon Diamant et Perle. C'est vrai que ça doit être 2007, je pense. Dépêche-toi, mes amis sont à l'intérieur. Ah bon? Eh ben on y va. Ouais, je pense qu'il y avait Diamant et Perle à cette époque-là. Je t'attendais. Diamant et Perle qui est quand même assez cool comme jeu. Lucie est une grande étoile, c'est notre ami. Ah mais du coup j'ai pas pris la clé. Ils veulent construire quelque chose avec cette machine en se servant de la puissance de la grande étoile. Mais non. Si ça continue, ils vont aspirer toute l'énergie de la grande étoile et elle s'éteindra. Mais non. T'en prie, tu dois arrêter cette machine. Non. Pas ça, tout mais pas ça quoi, vraiment. Hop, voilà. Ok. Salut Hugo, comment il va? OMG. T'as le petit logo? Enfin, le petit badge d'abonné 11 mois? Mais non, c'est trop. Incroyable. Comment tu vas? Et Hugo, qui est follower depuis le 30 novembre 2022. Y'a pas quelqu'un tout à l'heure qui avait follow 30 novembre 2022? Parce qu'on parlait de ça tout à l'heure. Marche sur les panneaux interrupteurs au sol pour arrêter la machine. Ok. Voilà. Bah, mais je suis con. Attends. Casse-toi, toi. C'est bon. OMG Ultra Hugo, c'est lui, il est là. Attends, il y en a peut-être d'autres. J'ai repris le taf aujourd'hui, fini le congé paternité. Oh, OMG. Ça va, ça s'est bien passé? Pas trop dur la reprise? Non. N'importe quoi, je joue à hasard. Ça y est. Ah non, ok. Il y en a ailleurs, effectivement. Hop, ok. On a là. Voilà. Attends, quoi? J'ai marché deux fois dessus? Ok. Moi, 30 novembre 2022. Eh bah, tu vois, vous êtes arrivés en même temps. C'était peut-être un raid de Nilo, en fait. Je pense à l'époque. Quelque chose comme ça. Quelque chose dans le genre, ouais. OMG, là. L'étoile. Elle est là. Vite! Hop là! Première étoile, même pas mort. Franchement, je m'améliore. Hein. Y a du bon. J'ai passé mon temps à trier et répondre, mais... Ah bah oui, tu m'étonnes. T'en avais combien, juste pour indication? T'en avais combien en rentrant de un mois de congé? J'ai envie de crever. Oh là là, 429. Non, c'est trop. Oh là là. 429 mois de congé, ouais, voilà, exactement, c'est ce qu'il a eu, ouais. Ouais, t'es pas mal en vrai. 429 mois, je sais même pas, ça fait combien. Ça fait beaucoup d'années. Je dirais 150 mails spam où ça va direct à la poubelle. Bah ouais, mais. Ça te laisse quand même pas mal de mails à gérer sur le côté. Vous avez trouvé une étoile, portail céleste, la grande étoile emprisonnée. Et c'est notre première étoile, nouveau record, on a 20 pièces, mon pote. Ouais. Nouvelle galaxie a été découverte. Ok. Terrasse.
Eh bah écoutez, on va aller à terrasse. Je suis sorti les amis en lui et ciao. Ah bah ouais, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est ce que je fais personnellement. Pourquoi faire? Oh, le brasier de l'observatoire flamboie à nouveau. Il ne brille encore que de la faible lumière d'une étoile de classe 6, mais les Lumas devraient être assurés. Tout cela, c'est grâce à toi et à la grande étoile que tu as sauvée. Le peuple des étoiles est tellement important à mes yeux, ils sont comme ma famille. Sois le bienvenu sur l'observatoire de la comète. C'est ici notre demeure, au peuple des étoiles et à moi. Même pas lui, c'est une boucle que je mets dans autre et comme ça, tout part direct à poubelle après en un clic. Oh là là, mais quel ingénieur. Quel ingénieur. Voyageons sur l'océan d'étoiles à bord de notre astronef, l'observatoire de la comète. Alors que nous sillonnions cette partie de l'espace, l'énergie de notre astronef a soudain été aspirée par une étrange force, et elle s'est échappée en même temps que les éclats d'étoiles. Notre source d'énergie? Oui, ce sont les super étoiles. Maintenant qu'il a perdu son énergie, notre astronef est paralysé, comme plongé dans un profond sommeil. Oh non. Ceux qui ont enlevé celle qui t'est chère se sont également emparés des super étoiles. Mais non. Coïncidence de fou, quoi. Genre, vraiment. En plus, le mec, on l'a jamais vu. Franchement, c'est la première fois que je vois ce mec. Jamais capté. Ils ont ainsi acquis la faculté de voyager entre les galaxies. J'ai un service à te demander. Ah putain, allez, voilà. Voilà, toujours les mêmes. On va aller chercher des étoiles, quoi. L'observatoire nous permet, grâce à la puissance stellaire, d'observer les galaxies éparpillées dans l'univers. La puissance stellaire qui vient de nous être restituée ne nous permet d'observer que les galaxies proches. Nous observons les galaxies depuis ces salles rondes que nous appelons des dômes. Ah, ça fait sens. Mais l'énergie stellaire actuelle ne permet qu'à celui que nous appelons la terrasse de fonctionner. D'accord. Rends-toi d'abord à la terrasse d'observation des étoiles. D'ailleurs, Ashaka, tu as vu mon message dans Blabla Général? Non, j'ai pas vu. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'as-tu dit? Ah non. Le beau temps Carvin. Ah non. C'est vraiment ça le truc? C'est vraiment ça? J'avais vu, mais j'ai pas osé partager. Ouah! Non, c'est trop. Trop de faire ça. Comment ça, ça s'est calé sur cette image? En vrai, je comprends pas trop des fois les screens. En fait, moi, je vais vous montrer ce que ça donne, mais... Enfin non, j'ai la flemme, mais en gros, moi, ça me montre l'écran d'attente, parce que c'est à ce moment-là que je regarde. Mais je sais pas si vous, ça le fait quand vous mettez votre souris sur l'écran, quoi. Tous les mails de communication nationale où tu es dans la boucle, mais tu sais pas pourquoi, parce que t'as jamais été concerné, par exemple. Oui, voilà, ceux-là, par exemple. Moi, j'ai des mails de massage assis, par exemple. C'est pas mal, mais j'irai jamais. Il y a le même méchant dans Mario 64, je crois, c'est fou la coïncidence. Putain, mais c'est ça. C'est ça, c'est le même, genre. Vraiment, on l'a jamais vu. Nous devons faire en sorte que notre observatoire de la comète retrouve ses capacités d'astronef. Nous pourrons alors nous lancer à la poursuite de ceux qui ont volé les super étoiles. C'est le moment. Voulez-vous sauvegarder? Non, moi je joue dans... Attends, pourquoi il marche pas là? Je sauvegarde pas. Mais pourquoi ça bug? C'est pour ça que j'aime pas les trucs à motion machin là. Ça me casse les pieds. Ah, c'est... Ah, pardon. Ok. Lundi. La partie a été sauvegardée. Ok. Bon, du coup, Rosalina, la Harmonie, la princesse, nous a dit que pour retrouver... Pour sauver Peach, parce que bon, c'est quand même la première fois qu'on va sauver Peach, donc il faut qu'on nous guide un petit peu. Pour sauver Peach, il faut qu'on récupère les étoiles de chaque planète pour réparer l'astronef qui nous permettra d'aller attaquer Bowser et lui défoncer sa gueule, bien sûr. Donc, le premier dôme qui nous permet de visualiser la terrasse, je pense, se trouve ici. Allez, je vais faire à manger. Ça marche, Hugo? Bon app à toi.
Ce dôme est un poste d'observation de l'espace. Il permet d'observer toutes sortes de galaxies et de les étudier. C'est moi qui serai ton guide à travers les galaxies. Pointe l'étoile crampon avec étoile, ok. Et appuie sur A. Si tu ne vois plus étoile, réinitialise sa position avec R. Ok. Dans notre portable, il te suffit de toucher sur l'écran. Ok. D'accord, c'est win. Ah, mais ça veut dire qu'ils ont dû refaire quelques dialogues quand même pour ce jeu, parce qu'il n'y avait pas de toucher l'écran avant sur Wii. Les astres qui apparaissent ici représentent les galaxies que l'on peut observer depuis ce dôme. Les nombres qui y sont inscrits indiquent leur distance par rapport à l'observatoire. Autrement dit, la puissance nécessaire pour les atteindre. Ah, c'est comme ça que ça marche, ok. Ok, ok. Plus tu rassembleras de super étoiles, plus tu pourras voyager loin. Ah, c'est pas mal comme principe en vrai. Et du coup, nous, on peut aller que dans la première nouvelle galaxie qui est la planète. Planète œuf. Ok. J'adore les œufs. J'adore les œufs. L'énergie caractéristique des super étoiles a été détectée dans cette galaxie-là, la plus proche de nous. Mais elle semble également être entourée d'une aura maléfique. Faites bien attention. Ok, c'est parti. Ah, c'est parti. Littéralement. Et bah voilà, on va l'avoir, notre Yoshi. Directement. Hop. Des planètes, des œufs et Dino Piranha. Ça me paraît un peu compliqué, cette histoire. Faut pas faire le rageux, mais... ça me paraît un peu chaud. Planète E, ouais. Ok. Où? Ok, je suis là. Ok. Boum. Salut, la clique. Yo. Vas-y, je vais t'attaquer toi directement. Boum. Headshot. Boum, headshot. Ok. Tac. Voilà. C'est win. C'est win, je pense. En vrai, est-ce que je fais une prédiction? Est-ce que je meurs dans le premier monde? Il y a peut-être moyen qu'on parte là-dessus. Il y a peut-être moyen qu'on parte là-dessus, vu que je suis très très bon au jeu, on le rappelle. Au jeu vidéo de manière large, bien sûr. Je meurs au premier monde. Merde. Je vois pas avec le reflet. Oui. Non. Vous avez une minute pour voter. Et je vais aller défoncer tout le monde. Ok. J'espère que vous êtes prêts. Oh, je vais prendre directement ce tuyau. Attends. Il y a juste... Oh, il y a des petits éclats d'étoiles, là. Ça se met très, très bien. Bon, ça, du coup, je sais pas trop encore à quoi ça sert, mais... Mais on verra. Parce qu'il y a les pièces et il y a les fragments d'étoiles, tu vois. Donc ça, c'est un peu différent. Il fait quoi, lui, tournant rond? Il a pété un pont. On rentre dans la maison, on peut? Absent pour l'éternité. Si vous souhaitez entrer, veuillez utiliser le tuyau de l'autre côté. Ok, ça marche. Ça marche, j'ai capté. Ah putain, j'ai oublié de prendre le fragment d'étoile juste avant. Putain, pour mon frère. Salut Luma. Ok. Alors. Boom, 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 boom. Oh le farming. Oh le farming. 24, c'est win. Je pense. Je sais pas si on peut tomber dans le vide là. Genre si je passe sur le côté... Non, je vais pas faire ça. Imaginez, je fais perdre la prédiction alors que ça a même pas commencé, tu vois. C'est fou. D'ailleurs, n'oubliez pas de voter, hein. N'oubliez pas de voter, j'ai pas dit, mais... J'espère que des gens ont voté. Pas capté. Hop. En vrai, on peut faire toute la journée, non? Ça tombe à chaque fois, j'ai l'impression. Viens là. Ok. C'est injouable. Non, c'est... Comment ça, il m'a eu? Non, du coup, c'est avec des pièces qu'on... Non, c'est avec... avec des cœurs qu'on se régène. Ok. Je peux pas aller les prendre sur le rebord, là. Ah, mais non, ça, il faut juste pointer pour les récupérer. Pas forcément besoin de marcher dessus. Ah. Et donc ça... Oh, putain. Ah, mais attends, c'était juste là. Ok. Hop. Ah ouais, c'est pas mal. Pas mal comme système. Oh, level up. Un level up. Un petit score en plus. Salut Luma. Je peux te parler ou pas?
Tu peux ramasser les fragments d'étoiles simplement en les touchant avec le curseur étoile. En mode portable, nanana, oui. 50 fragments récoltés te donnent une vie supplémentaire. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Sachant que si en plus le truc tombe à l'infini un petit peu, on va pas se mentir que c'est plutôt pas mal. Plutôt sympathique de leur part. Ok, pas mal. Boum. Là où je vais. Ok. On peut monter sur les murs? Oui. Oui, directement. Non, pourquoi je peux pas prendre ça, c'est quoi? Ok. Faire quoi? Un méchant, parce que là, la musique, elle est pas très... Elle est pas très sympa, j'ai l'impression. Ok. Bon, non, ça a l'air d'aller, en fait. Ouais, c'était juste pour ça. Pourquoi il me passe des vies? Genre, on dirait que je vais mourir, alors que non. Hein. Clairement pas. Hein. À aucun moment, je meurs dans ce jeu. Ah oui, je peux pas remonter sur le mur. Je suis obligé de passer par ces petits ponts-là. Hop. Voilà. Ok. On sort là. J'écris quoi? Tu es fatigué et que tu veux revenir à l'observatoire, appuie sur plus. Sélectionne retourner à l'observatoire pour t'y rendre. Attention, les fragments d'étoiles que tu ramassais seront perdus. Oh non. Y'a quoi là? Ok. Ah oui, ok, on est au-dessus de la maison, j'avais pas capté. D'ailleurs, j'avais même pas capté, mais on était dans la maison directement. Ce qui est plutôt pas mal. Ok. Alors du coup, je... Attends, je peux passer comme ça, normal? Attends. Merde. Là, j'y suis déjà allé. Faudrait que je monte en haut, là, pour voir. J'y suis déjà allé, je crois. Peut-être pas. Ah non, j'y étais pas allé. Bonjour. Parlez. Mon ami est par là-bas. Vite, dépêche-toi. Ou par là-bas. Ok, tu. Ok. Voilà. Oh, le vol. Par contre, je die, là, non? Impossible que je meure. Et... Il fait quoi? Ah non, ok, c'est... de la boue, je sais pas quoi. Non. Pas comme ça. Pas comme ça, c'est le début. Ça commence. 3. On a un là, au milieu. Là, j'ai récupéré une vie, c'est win. Là, ok. On va attendre un petit peu, on joue safe. Moi, je joue toujours safe, bien sûr. Je saute pas au hasard. Non, ça n'arrive jamais. Ah! Ah! I! Ah, mais attends, j'ai pas parlé au... Au Luma, là. I! Non. Ok. Ok. I! Ok. Bonjour. Parlez. Si tu as perdu de l'énergie, ramasse une pièce pour récupérer des forces. Mais je m'en fous! C'est trop de me faire perdre du temps comme ça, non. Hop. Voilà. Je me casse. Là, je peux pas? Ah si, je peux. Ok. Oh, il y a une plante. Bref. Comment on la tue? Pas de sang. Elle est où ma... Pour récupérer. C'est quoi ça? Putain, c'est quoi? Ok. Il y a ça. Hop, hop. Oh merde. Comment je vais faire? Il y a ce truc là. Oh merde. Ça commence. Il y a ça. C'est bon, il y a R. Vous avez cru quoi? Je vais pas quand même mourir. Ouais, t'es fou quoi. Ok. Hop là. C'est trop bien. On peut monter. Attends. Ah oui. What? Mais lâchez-moi. Ok. J'avoue, c'est pas mal, hein. C'est pas mal en vrai. C'est quoi ce truc? Ok. Attends, est-ce que je peux le balancer genre sur le bonhomme? Ouh, mais ouais, mon pote, on peut.
Level up. Boum, voilà. Je suis intestable, je pense. Déjà, là, j'ai joué 2 minutes. Je préfère ce jeu à Mario 64. Y'a quoi, alors? En vrai, Mario 64, je trouve, il a quand même un peu vieilli. Bon. Ok, c'était une prouesse pour l'époque, ça l'est toujours. Mais je trouve qu'il a un peu vieilli. Comparé à Sunshine, en fait. Sunshine qui était genre 3 ans après, 4 ans, je sais plus. Franchement, il y a tellement un step-up de malade entre les deux. T'as tendance... Oh putain. T'as bugué, je crois. Malgré Mario Galaxy. Mais ouais, c'est cool pour le moment. T'as bugué, hein. Mais vas-y, là. Je savais pas que... On pouvait glisser comme ça. Oh non, je vais continuer à glisser, ça me saoule. Bon, je rends les thunes à celui qui en avait perdu. Oh non. La giga sauce, attendez, ça veut dire que je dois tenir à jour mon nombre de morts. Bon bah déjà une. Voilà. Ça fait même pas 30 minutes qu'on joue. J'ai gagné, bien joué à toi mec. Trop fort. Trop fort. Ah mais c'est parce que les gens derrière, ils avaient pas envie de trop se mettre ma personne à dos, bien sûr. Bah, c'est pas trop l'objectif, et je comprends en vrai. C'est vrai que je fais très très peur, donc ça peut se comprendre. Aïe! Non, je suis trop bête! Ok. Ouais. Du coup, on peut péter les... Merde. Les blocs de cailloux, là. Grâce à ce truc-là. Après, faut éviter d'aller dans le trou noir au milieu en même temps. Est-ce que c'était une si bonne idée à la base de le faire? Pas sûr. Ça a l'air d'être une sortie. Boum. Ok, il faut aller dans l'autre sens par contre. Ok. Ça fait quoi? Oh non, ça a pas touché. Ça a pas touché encore. C'est un pont. Ok. Non. Ouais, il faut bien se mettre devant comme ça là. Mais non! Putain! Non! Putain! Mais c'est moi! On peut pas juste faire ça? Non. Ah si, ok. Ah ouais, le one shot comme ça. Nice. Hop là. Et ouais, mon pote. Allez, on saute. Niou, 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 niou. Ok. Ah mais même ça, oui, c'est ce que je disais, mais à l'époque, ça devait vraiment être une prouesse technique, hein. Le fait de se déplacer comme ça... Pardon. Avec des perceptions différentes et tout. 3D comme As. Ouais, c'est un truc de fou, hein, je trouve. Après, le problème, c'est que, ouais, moi, en 2007, je sais plus trop à quoi je jouais, tu vois. Je sais que je jouais à Pokémon Diamant et Perle, là. Mais, mis à part ça, pourquoi j'aurais pu jouer, en fait? Je m'en souviens plus trop ce qu'il y avait à cette période-là, mis à part Pokémon. Hop. Level up. Et voilà, on vient de récupérer directement. Pourquoi? Non. Non, c'est Yo-Yo. C'est Yo-Yo. Et quoi? Ok. Faut lui balancer sa boule dans la gueule. Boum, mon gars. Oh, la gueule. C'est quoi, ça? Oh non, c'est archi-cursed. Pourquoi ils ont fait ça? Iiii. Ok. Lutchi. Merde. Et boum, mon pote. Voilà. Ok, vas-y, viens. Viens. Non. Viens pas tant que ça. Viens un peu plus tranquille, tu vois. Mais viens quand même. Attends. Viens. Arrête-toi. Mais... Putain. Bon, je pourrais aller dans l'autre sens, mais je vais continuer à faire ça comme un débile. Ah, j'étais presque. Bon, je vais le cut. Directement le cut.
je jouais à Battlefield 1942 et c'était déjà Asbin. Ah ouais, 1942, il est sorti quand celui-là? Peut-être quand même. Putain, il m'a frappé. Je suis tombé à terre. Comme à terre. Soldat tombé au combat. Ok. Vas-y, vite. 2002, 2003, je sais plus. Ah oui. Bon, en vrai, ça, c'est le genre de jeu où il y a eu des. Il y a eu des serveurs pendant longtemps, non, après. Enfin, vraiment, c'est le genre de jeu qui tenait vraiment tellement la commu, elle aimait beaucoup. Ok. Boom. Voilà, mon pote. T'avais qu'à pas ressembler à Yoshi. En 2002 ou 2003, je crois que je jouais pas. Hein. 2002 ou 2003, j'étais en légende. J'étais en légende. Je sais pas où, en primaire sûrement. Non, même pas, en maternelle peut-être. En maternelle. En compte. Oui, ça a duré. Bah ouais, je m'étonne. En vrai, c'est cool. Cool, ça permet à ceux qui kiffent vraiment le jeu de jouer encore sur les serveurs. Pas forcément évident, des fois ils ferment les serveurs parce que bah il y a le nouveau Battlefield qui est sorti, donc pas forcément besoin de laisser les serveurs à jour. Et voilà, notre première étoile, notre deuxième étoile. Super étoile. Tu as dû remarquer les éclats d'étoiles qu'on voit briller un peu partout, n'est-ce pas? On les appelle des fragments d'étoiles, mais oui, tu viens de le dire. Et nous, les Lumas, en sommes très friands. C'est notre source d'énergie. Pointe avec ton joystick et vise-les avec l'étoile pour les ramasser. Oui, je sais. Utilise ces fragments pour tirer sur tes ennemis en les visant avec ça et en appuyant sur ZR. Attends, quoi? ZR? Bon, pas compris. Oui, comme ça. Ah oui, comme ça, ok. C'est délicieux. Bravo, disons que ça sera ma rémunération pour cette leçon. Fragments d'étoiles te seront utiles dans ton aventure, sois-en sûr. Tu peux les lancer sur tes ennemis, mais aussi les partager avec des lumas affamés qui t'en remercieront. Ok, je peux tirer ça sur les ennemis. D'accord. Ok, on a pris une étoile sur la planète 1. Donc, pour le moment, il faut plus d'étoiles pour aller jusqu'à la troisième. Il en faut 3, donc il nous en manque une. On va retourner sur la planète aux œufs, bien sûr, pour se faire un max de richesses. Alors, un appétit cosmique. Ok. Ok. Oh putain, ça me fait penser à un truc. Genre, non, c'est pas en 2003 du coup, ça doit être vers 2005. Vous voyez les spectacles d'école. Tu sais, à chaque fois, il y a des gens, ils ont des rôles de fou et tout. Rôle principal, tout ça. Et moi, j'avais fait ça, je crois, c'était en grande section ou en CP. Je pense que vous ne devinerez jamais ce que j'étais. C'est trop une dinguerie d'être ça. Et en plus, mon déguisement, qui était en rapport avec ça, n'était pas si mal. Franchement, et voilà, c'est un peu un rapport avec Mario Galaxy. Oh putain, ok. Attends, du coup, je peux balancer un arbre. Non, pas un arbre. J'aurais pu. Attends, du coup, je peux tirer sur les mecs. Ouais, putain, c'est trop bien. J'étais pas un arbre. C'est un truc qui s'approche dans Mario Galaxy, on peut le voir. Un fruit ou un légume? Non, pas un fruit ou un légume. Ça aurait été encore plus humiliant, je pense. Vise bien ta cible avec le curseur. C'est très efficace contre les ennemis et certains obstacles. Ok. Attends, putain, j'arrive pas à monter. Hop. Ah, bouffon, va. Boum. Merde. Voilà. Un tournesol. Ah, c'est pas loin, mais c'est pas ça. C'est pas un légume. C'est pas une fleur, c'est pas un truc comme ça. La planète Terre. En vrai, c'est déjà plus proche de ce que c'était. Une tortue. Non,
pas une tortue, c'est pas un animal. Pas un animal du tout. Hop, paniquer celui. Directement. Tac. Une étoile. On s'en approche. On sent très très chaud. Très très chaud sur l'étoile, attention. Le soleil, on a très très chaud. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mais attention, on est très très proche du soleil. Qu'est-ce que ça peut être? Attends, est-ce que je peux les récupérer comme ça là? Non. Obligé de faire le tour. Hop. La lune, eh oui, j'étais la lune. J'étais la lune. Aïe aïe aïe. Spectacle de l'école. Rôle, la lune. Bouge pas. Vraiment, la loose. Voilà. Je sais pas si vous avez fait, vous aviez un rôle un peu plus important quand vous avez fait votre spectacle d'école, mais j'avoue que mon déguisement... En vrai, mon déguisement, il payait pas de mine. Hein. Franchement, c'était ma mamie qui l'avait fait. Et c'était pas mal, j'étais tout en jaune. Et j'avais même du maquillage jaune sur la gueule. Et voilà, quoi. Ils sont suspendus dans les airs avec un crochet. En vrai, ça aurait été marrant. Imagine. Imagine le scandale parmi les parents d'élèves. Ça aurait été pas mal. Mais non. Malheureusement, j'étais juste dans un coin, je bougeais pas. Nice. On se souvient très bien parce que c'était long. Vu que je ne faisais rien, je ne parlais même pas. On veut des photos. Je peux en retrouver, en vrai. Là, je les ai pas. Mais je peux peut-être en retrouver après le live, je mettrai sur Discord. Y a peut-être moyen. J'étais vraiment... C'est vraiment un déguisement qui était pas si mal, tu vois, pour le rôle que j'avais. Donc plutôt satisfait, mais c'est vrai que bon, c'est pas le rôle principal, malheureusement. Bon, je peux le nourrir. Non, je sais pas viser. Quel bonheur. Par là, il y a un de mes camarades très gourmand. Si tu le rencontres, tu voudras bien écouter sa requête. Vise-le et pour avancer. Si tu joues en mode portable, il te suffit de toucher. Ok. Ah, mais c'était par là. J'avais pas compris tout à l'heure. En récompense de points de chaîne. Ouais, même pas besoin. Même pas besoin. Ok. Ok. Voilà. Merde. Il s'est passé quoi? Pas compris. Ok. Mais quoi? Attends. Voilà. Quoi ça? Je comprends pas. J'ai bugué. Ok, c'est bon. On est parti, pardon. Pardon, pardon. La douleur m'égare. Et vous, du coup, est-ce que vous avez déjà fait un spectacle d'école? Et vous aviez un rôle dedans. Est-ce que ce rôle était stylé ou pas? C'est ça l'idée. Bon, il y a des enfants, voilà, ils ont été plus gâtés que d'autres. Moi, j'étais la lune, par exemple. Donc en vrai, c'est pas si mal, parce qu'en vrai, quand t'es en CP, est-ce que t'as forcément envie de parler tout ça devant 1000 personnes? Non, même après ça, j'ai pas envie. Donc j'étais plutôt content de juste rester là, à pas parler du tout. Rester immobile, pour rire. À la limite, que je pouvais faire. J'y vais pas de suite, je vais voir s'il y a un peu des trucs autour. Il a l'air d'y avoir grand chose, mis à part ces pics. Il ne saurait que me tuer. Hop, on est parti. Hop là. Ok. Par contre, j'étais déjà venu sur cette planète, non? Ah non, c'est une autre encore. Ah, saute. Ok. Hop. C'est vrai que si je mets mes bras trop en dessous du bureau, ça détecte pas le motion machin là. Hop. Boum, 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 boum. Et voilà mon pote. Divi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Attention directement, l'envoler. Le virage à gauche. Hop. Et on arrive directement sur cette planète en forme de... Et on va nourrir ce man. Comme ça. Hop. Mange. 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 Tiens.
Tiens. Plus de... Ok. Ding ding, et toi là, tu n'aurais pas des fragments de... Quoi? J'en ai donné. Par lui avant. Non. Quel bâtard. Mais non. Mais c'est un fou, il m'a déjà tout bouffé, il fait genre il a pas... Non. Interdit. Interdit de faire des trucs comme ça. Moi j'avais un max de fragments, il est là, il me raquette. Il dit même pas merci. Non. Interdit. Interdit de faire des trucs comme ça. Il en veut 100 by 2. Oh putain. C'est un gros. Pardon. Mais je... Ok. Voilà. On est bon. Tac. Bon, c'est déjà pas mal, 31 en vrai. Ah ouais, il en veut vraiment 100, putain. Oh non, l'horreur. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et en plus, il y en a plus là-dedans, là. Je suis obligé de repartir sur une autre planète. C'est mort. C'est mort, c'est mort. Pardon, on m'appelait. Jugo dîner, bon courage et bon app, à bientôt, ça marche. Merci Titou d'être passé. Trop plus tard. Et bon appétit, effectivement. Fin de primaire, on avait écrit une petite pièce parodique sur la télé, très inspirée des inconnus pour nous. C'était banger, mais avec le recul, ça devait être éclaté avec notre humour de CM2. Oh là là. Ouais, j'imagine. Comment tu te crois trop drôle en plus dans ces moments-là? Alors que bon. Alors, j'en suis sûr, les parents, ils étaient un peu en mode, bon, ouais. C'est marrant, mais si le mot cringe avait été là à cette époque-là, il aurait peut-être été de rigueur. Non, en vrai, c'est mignon, ça va. Et tu vois, moi, les inconnus, bah, c'est pas mon époque. Hein. Donc, j'avoue que on n'avait pas trop ça. On n'avait pas trop ça. Et du coup, tu jouais quel rôle dans cette pièce, Togino? Hop. Mais 27, je lui en ai donné 31, là. Et ça, depuis le début, il y a une mouche devant moi, je vais péter un pont. Je vais tout casser, je pense. Hop, ok. On peut peut-être défoncer celui-là. Merde. Hop, voilà. Tac. On est pas mal là-dessus. On en récolte un maximum, mon pote. Voilà. En vrai, je vais pas sauter de la game, hein. Pas besoin, hein. J'ai l'impression. Ça a pas l'air très utile. Bon, bon. Un présentateur télé, puis un prof, il me semble. Ah ouais? Putain. Présentateur télé, t'avais un rôle de fou en vrai, là. Rôle de fou. C'est pas la lune, au moins. Déjà pas mal. T'aurais pu être une caméra. Un truc comme ça. Putain, mais... Casse-toi, la mouche, là. De 1, il y a une mouche, et de 2, le joystick, il bug. Ah, elle se casse. Le capteur il bug. Je comprends pas. Ah oui, il est là. Il est là. Est-ce qu'il y en a encore ou pas? Le revenu, ça respawn, ça pas respawn. Ok. FF, je pense. Bon bah, je vais lui donner 40 déjà. Comme ça, on va voir exactement combien il en reste. Hop. Ah bah oui. Hop. Il en manque 29. Rôle principal, le zénith de ma carrière carrément. Quoi? Rôle principal? Oh là là, mais... Et Todd? Et... C'était une star en devenir, en fait. J'espère que t'as poussé la carrière après, hein. Je pense qu'elle a un truc à faire, hein. Ils ont dû te repérer derrière. Ouais, t'inquiète qu'ils m'ont pas repéré, hein. Juste voir la lune, on dit, c'est qui ce bouffon? Le mec fait une yellow face, bizarre. Nous, fin primaire, on avait... une pièce coachée par des comédiens et le thème c'était l'art. Genre il y en avait une, son rôle c'était la Joconde, d'autres c'était d'autres tableaux. Moi j'étais un mec vieux et gris qui critiquait les tableaux. En vrai c'est stylé. C'est stylé comme concept. Genre c'est vraiment un truc à faire. Mais vieux mec et gris qui critique. Ah je comprends. Pas mal.
pas mal, franchement. Déjà, il y a un peu plus d'idées. Moi, le pire, c'est que je ne me rappelle même pas pourquoi j'étais la lune. Je sais même pas ce que c'était la pièce, tellement c'est pas mémorable. Donc, autant dire que ça devait pas être une inspi incroyable. Je vais pas faire ça à chaque... Putain, en plus, le joystick, il bug. Non. Oh, le pointeur. Il te cache. Non, il est où? Il est où? Ah putain, il faut le recentrer, je suis con. Ah non. Quel bouffon. Meilleur rôle. En fait, c'était un musée, il y en avait, c'était les tableaux et d'autres les visiteurs. C'est pas mal en vrai comme idée. Hein. Eh, ils sont chauds les profs. Après, du coup, c'est les comédiens qui ont un peu carré le truc. T'avais le budget, j'ai l'impression, dans ton école. Au moins, ça aurait pas été le cas. Mais la bouche, ça! Dégage! On peut pas jouer à Mario Galaxy tranquille. C'est bon, je me suis lavé aujourd'hui en plus. Y'a pas de raison de sentir... de rester là, quoi. Tu m'aimes laver ce matin. C'est fou. Ouais. Hop. Ok. 10. Je crois que c'est bon. J'ai pas regardé combien il en manquait. On va en prendre quelques-uns de sûreté. Ah, mais j'ai fait un demi-tour. Bon, bah j'ai pas le choix, alors. Attends, ça l'a pris en compte? Non, ça l'a pas pris en compte. Pardon. Ça va. Moi, du coup, la lune, ouais, c'était le prime de ma carrière, j'ai l'impression, parce que bizarrement, après, on m'a plus appris. Genre, j'étais trop compétent dans mon rôle, et du coup, ils se sont dit non, on n'a pas envie de donner une carrière à ce mec. On va tout simplement le saboter, qu'il ne fasse plus jamais de théâtre. Et voilà. C'est comme ça que j'ai arrêté. Bref. On a gâché ma carrière. Super. Ok. Sors de là un peu, Mario. Voilà, ok. Et... là. Voilà. On retourne sur la planète. Normalement, on a suffisamment de... Merde. Ah mais oui, à chaque fois que tu... Ok. On a suffisamment de fragments d'étoiles pour rassasier notre ami, celui qui mange beaucoup. C'est où ? Non mais, c'est vrai que du coup, à chaque fois que je prends une étoile, bah ça va ailleurs. Il faut trouver le bon chemin. Même s'ils étaient indiqués à la base. Oh, j'aurais dû prendre, merde. J'ai loupé le coche. Mais c'est pas ça, je suis bête. Passer 12 fois dedans. Attends. Ok. Du coup, j'ai pas besoin de prendre de mémoire. Alors là, ouais, non, je prends pas. Je vais juste tout droit. Et voilà, j'arrive sur la planète. Comme ça, directement, on va lui donner ce qu'il mérite. Tiens. Voilà. Ça y est, je suis repu. Allez, on y va. Transformation. OMG, c'est parti. Waouh. Ok. Fin du jeu. Nouvelle planète est née. Ok. Hop. Attends, c'était ce chemin-là pour y aller? J'ai pas fait gaffe. Oui, j'ai l'impression. Ok. Nice. Hop. Boum. Et voilà, mon pote. Ouais, c'était pas si mal, la primaire. En fait, moi, le souci, c'est que... Je sais pas si ça a été un souci vraiment, je me rappelle plus. En tout cas, ça a pas été un traumatisme pour moi. Mais moi, j'ai eu ma mère en prof, en maternelle. Du coup, c'était un peu perturbant. Surtout quand tu l'as en maternelle. Tu l'as pas après. Donc, c'était pas forcément le meilleur move. Moi, j'aurais pas tenté. Après, peut-être qu'il y avait qu'une seule classe de ma section à ce moment-là, donc c'est peut-être pour ça que j'avais pas le choix de tomber avec ma mère. D'ailleurs, c'est peut-être quand j'étais en classe avec ma mère que j'ai fait ça, je sais plus. C'est plus à vrai dire. Le spectacle. Ok, directement. Le rush. Oh, mon pote. Voilà. On est fragments d'étoiles. Toi, t'as ce que tu mérites déjà. Boum. Coup de pied. Benjamin Pavard. Maternelle, ça va, mais le pire, je pense, ça doit être au collège. Ah oui, le collège, ça doit être infâme, parce que...
en gros, à cette période-là, en maternelle, le vrai problème, c'est toi, tu vois, c'est l'enfant, comment il réagit au fait que sa mère ne puisse pas agir comme une mère avec lui, vu que elle est prof. Là, il faut que l'enfant fasse la part des choses. Au collège, c'est juste des connards. C'est tous des connards, les enfants. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Que tu dises rien? Que tu sois... Enfin, tu vas mal le vivre dans tous les cas. Moi, je me souviens, il y avait un mec au collège qui avait sa mère, mais il l'avait pas en prof, mais juste sa mère était dans le collège, et déjà, juste ça, il se faisait un peu bully. En mode, tu sais, c'est le... Oh, ça change de gravité. En mode, ah, c'est le fils de prof et tout. Enfin, c'était un peu pitoyable, hein, on va pas se mentir, mais... Collège, c'est de la daube, oui. Ben oui, c'est ça. C'est, en fait, c'est les enfants, c'est des merdes entre eux. Pas le souci. Ok, passe là. Perdu la gravité, est-ce que je pourrais remonter? Oui. Ah, mais attends, merde. Ok, il fallait pas que je loupe le saut, en fait. Voilà, on descend là. Hop. Ok, on a pris la gravité. On descend ici. Tout va bien, normalement. Hop. Collège, c'est de la taupe. Et ouais. Non, je sais pas, vous l'avez bien vécu, votre collège, vous? Là où moi, j'étais un peu le mec normal, tu vois. Dans le sens où... on venait pas me faire chier et je faisais pas chier. Donc... enfin, moi, j'aimais bien ce statut. J'aimais bien ce statut. Dingue de mourir comme ça. Quoi? Comment ça? Mais personne meurt comme ça. Vas-y. Ça a bugué aussi. Ça a abusé. Personne meurt comme ça. On est reparti. Hop là. Gnon 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 gnon. Ce qui va me trigger, c'est que d'habitude, quand je faisais les jeux Mario, j'avais le temps de jouer longtemps. Et du coup, j'appréciais bien comme il fallait. Mais là, je vais pas devoir quitter... Enfin, je vais pas pouvoir faire 4-5 heures de stream, tu vois. C'est un peu chiant. Parce que moi, j'aime bien stream longtemps, surtout sur ce genre de jeu. Donc c'est un peu dommage. En tout cas, très bonne découverte pour le moment. Ça me régale. Ça me régale. Et en plus, vu que c'est encore différent de ce qu'on a vu avec Mario Sunshine et Mario 64... Et bah ça me régale tout simplement, hein. Putain, attends, est-ce que je vais chercher la vie? Non, je vais mourir après. Bien sûr, je me connais. Hop. Boum. Casser la vitre. Et ok, tiens, le collège, je l'ai glissé dinguerie. Ah ouais, dinguerie carrément. En vrai, ça me manque un peu, hein, les... Je vais pas vous mentir, le... Je sais pas lequel était le mieux. Le collège ou le lycée? En vrai de vrai... Je pense que j'ai préféré le collège, mine de rien. Après, le truc, c'est que moi, mon collège, je l'ai fait dans deux collèges différents. Donc il y a toute la période où tu dois te retrouver des potes. Mais finalement, c'était cool. Et du coup, aujourd'hui, vu que j'avais changé de collège, maintenant, j'ai plein de potes issus de ces deux collèges. Donc ça reste très cool, quoi. Ça reste très cool, alors que le lycée, bon, c'est pas mémorable. C'était sympa, il y a des bons souvenirs. Oh putain, j'ai failli tomber dans le vide. Je préfère quand même le... Attends, quoi? Ah oui, c'est ça. Merde. Comme ça. Merde, comment... Attends, comme ça. Voilà. Et là, va falloir aller chercher de l'autre côté. Ah putain, ça passe pas. Ouais. Ouais, lycée au Quétier. Lycée au Quétier. On a vu mieux. Enfin, comment ça marche? Est-ce que je peux aller sur l'étoile directement? J'avais l'impression qu'on pouvait que passer... Ouais, c'est ça, on peut passer que sur les... Et attends, je suis con, j'ai juste à faire ça. Je vais mettre là, hop. Mais bien en face. Et puis, je fais ça, et là, et boum! Voilà! Le mec s'est fait virer, quoi.
Moi ? Ouais, je me suis jamais fait virer. J'étais collé plusieurs fois, mais c'était surtout en début collège. Parce que je disais un peu n'importe quoi. Donc dommage, quoi. Dommage. Ah non, je sais pas si je raconte cette anecdote, parce qu'une fois, je me suis quand même fait exclure. Et ça, c'était un peu abusé. Ah, pour changer de collège. Ouais, non, quand même pas. Non, c'est juste j'ai changé de région. Donc c'est sûr que à ce niveau-là, t'avais pas le choix. Et si, je me suis quand même fait exclure une fois. Mais c'était pas de chance. C'est pas de chance. Après, vous direz si c'est vraiment pas de chance ou si c'est juste moi qui suis con. Alors, contexte. On a une nouvelle galaxie de connus, là. C'est pas mal, de découvert. Contexte, on est en sixième. En sixième A, même. Tu vois, pour un peu plus de contexte, si ça vous intéresse. Sixième A, 2010, 2011, peut-être. Et y avait cours de sport. Et on était au gymnase, donc, avec la prof et tous les élèves, tout ça, on jouait à quoi ? Je crois qu'on jouait au tennis de table. Et en gros, ce qu'il fallait faire, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait un match, il fallait écrire avec son papier, son stylo, le score sur un papier, justement, et le reporter à la fin à la prof. Problème. Moi, qu'est-ce que j'avais ? Je sais pas pourquoi. J'ai pas tous les détails. Je sais pas pourquoi j'avais pas de stylo. Et la prof m'en avait prêté un. Donc, à partir de là, on est en mode... Tout va bien. J'ai juste à rendre le stylo à la fin. Et puis on n'en parle plus. Arrive le moment où je suis en train de noter... contexte dans contexte. Il était 8h du mat, ok ? Il est 8h30 du mat, on va direct en sport. Tu sais, le 8h-10h là, qui fait très mal le matin. 8h-10h, il doit être 8h30. Je note mes scores. Et je sais pas pourquoi, la prof m'avait donc prêté ce stylo. Et j'étais en train de noter, j'ai déjà dit ça. Et là, il y a une voix derrière moi qui dit « Il est où mon stylo ?» Moi, j'étais en train de noter mes scores. J'étais pas concentré, j'étais fatigué. Et j'ai eu un réflexe. Qui m'a du coup exclu un jour. Qu'est-ce que j'ai dit à cette phrase ? Où est mon stylo ? Je ne savais pas que c'était, en fait, la prof qui demandait où est mon stylo. Derrière moi. Je n'avais pas vu que c'était elle. J'avais pas reconnu sa voix. Je n'étais pas concentré. Et du coup... J'ai dit le D-word. J'ai dit dans ton cul. Aïe. DTC. Aïe. L'erreur du joueur français. L'erreur. Du coup, j'ai dit dans ton cul. Et puis, je me retourne, je vois c'est la prof. J'ai dit bon, FF. FF, je me suis pris un rapport. Exclusion externe, en vrai pas mal. Ça faisait une journée de tranquillité. Exclusion externe. Et puis voilà quoi. Je me suis fait assassiner pour un simple dans ton cul. Je trouve ça un peu abusé. Après, effectivement, il y a des circonstances un peu spéciales. C'est que j'étais fatigué. Je n'avais pas reconnu la voix de la prof. J'étais un petit rigolo. Donc je disais souvent ce qui me passait par la tête sur l'instant. Il arrive d'ailleurs toujours maintenant, mais bon, a priori, je dis plus dans ton cul à des gens à qui je devrais pas dire. Et voilà. Donc en vrai, à vous de juger, mais je trouve que c'est pas tant ma faute que ça. Est-ce que ça méritait une journée d'exclusion ? Je sais pas. Franchement, je me pose toujours la question. Je devrais aller retrouver cette prof et lui demander. Est-ce que c'était mérité ? Nouvelle galaxie ! On a 3 étoiles, on peut y aller. OMG, c'est le moment. Royaume des abeilles. C'est parti. C'est mardi. Ok. Attention. Envole-toi, Mario, abeille. Mais non.
Regarde l'abeille. Un gré d'exclusion pour ça en vrai. En vrai, je sais pas si c'était mérité. Là, c'était un peu mérité, mais je sais pas si exclusion une journée, c'était mérité. Genre une heure de colle, tu vois, ça j'aurais pris. Mais j'ai... En plus, le pire, c'est comment tu vas justifier ça à tes parents? Il y a littéralement écrit dans le rapport, parce que du coup, il y a eu un rapport, il y a écrit... machin a dit à sa prof de 2PS dans ton cul. Du coup, je lui ai rendu son stylo, au final, parce que, bah, c'était à elle. Mais, je trouve ça un peu abusé, personnellement. Je trouve ça un peu abusé. Des proportions, un peu abusées. 2 heures de colle, voilà, c'est ça. 2 heures de colle, c'est bon. Je prenais, mais exclusion, bon. Bizarre. Tu es ici, sur notre territoire, le royaume des abeilles. Il est gouverné par Sa Majesté la Reine. OMG, ah ouais? Jure. Jure. Du coup, désolé, hein, madame... comment elle s'appelait? Madame Sodokpa, je crois. Oui, ça devait être elle. Désolé pour ce moment que je vous ai fait vivre. Il y a bientôt 15 ans. Donc, excusez-moi. OMG, c'est quoi ça? Je vais me transformer en abeille, c'est le moment. Je vais pouvoir m'envoler, toucher la lune. Viser la lune et la toucher. Ok, c'est le moment. Pa. Vous êtes devenu Mario Abeille, maintenant. Maintenez B enfoncé pour voler. Mais non. C'est trop bien. Oh non, j'ai perdu. FF. J'arrête de jouer. Comment ça, j'ai perdu? Non. Attends. Du coup, tu peux pas aller dans l'eau avec en tant que Mario Abeille? C'est pas autorisé? Attends, moi j'ai vu des abeilles qui allaient dans l'eau. Hein. J'en ai vu. On peut appuyer sur B aussi. C'est dinguerie de dire ça. Mais sinon, oui, collège, période assez cool. Mis à part cette exclusion. Tout ça. C'était pour dire tout ça à la base de mémoire. Ok. Ça va. Hop. Voilà. Hop là. Quoi? Ah mais le miel il colle. Ah oui il colle le miel, c'est logique. Putain. Voilà. On remonte. Merde. Boum. Tu t'envoles. Ok. 33, c'est pas mal. Hop. Attends, quoi? J'ai pu. Bon, c'est trop. Tac. Voilà. Hop là. Du coup, vous êtes jamais fait exclure, vous? Rox, j'en suis sûr, toi, tu t'es jamais fait exclure, c'est obligé. Trop sage. Trop sage. En vrai, il faut pas être fier de l'avoir fait. Merci, Angel Petit, pour le follow. Bienvenue à toi. Bienvenue. Exclure, non. Ah, t'as eu des heures de colle, quand même, alors. Eh, t'as été un petit délinquant, toi. T'as été un petit délinquant, attends. Ah, on peut reprendre l'abeille, ici. Collier, oui. Ah là là. Non, moi j'avoue que j'ai eu vraiment beaucoup d'heures de colle en 6ème, 5ème. Après, je me suis calmé. Genre, j'ai pris ma retraite. Je sais même plus les raisons, j'avoue. Mais je pense que à chaque fois, c'était parce que je devais suivre des perturbateurs, tu vois. Je savais pas, il fallait se faire une image, tu vois. Il y avait des trucs à prouver, peut-être. Je sais pas trop. Et du coup, voilà, c'est... On se fait coller, tu comprends pas trop pourquoi. Après, il y avait aussi le fait quand tu te faisais coller et que c'était parce que tu faisais pas les devoirs, tu vois. Il y avait ce genre de truc un peu nul comme raison. Mais voilà quoi. À passer. Des tugs dans ce chat. Bah ouais. Non, toi, Mizu, toi, tu t'es fait coller, c'est sûr. Parle de tug. C'est sûr, tu t'es fait coller. Arrête. Ou la fais pas. Hop. On va prendre ça directement.
Je sais pas s'il y a une limite. Au bout d'un moment, on n'est plus abeille. Je sais pas. J'étais un bon élève, wesh. Eh, mais ça, rien n'empêche n'empêche ça. L'un n'empêche pas l'autre. Genre, moi j'étais... non, moi j'étais pas un bon élève. J'étais un moyen élève. Enfin, j'ai toujours été moyen, en fait. Mais ça suffisait. Ça suffisait. Et j'ai eu des heures de colle, tu vois. J'étais pas un élève perturbateur ou quoi, tu vois. Pas plus que ça. Mais j'ai, oui, j'ai eu quelques heures quand même, mais pas plus de 5. Ouais, ok, je capte. Est-ce que c'était parce que, à chaque fois, tu suivais des gens qui foutaient la merde, ou c'était de toi-même? Est-ce que c'était de ton propre chef, tu vois? Hop. Voilà. Ok. Waouh. Putain, comment je l'ai chopé? Attends. Elle est gentille, j'espère. Tiens, qui es-tu? Un nouveau sujet? Enfin, peu importe, j'ai un service à te demander. Ça me gratte un peu partout, veux-tu bien jeter un œil? Une mycose. Tiens donc, on va traiter une mycose. C'est parti. Non, j'étais pas le chef MDR, et oui, en vrai, je faisais le strict minimum aussi, du stress de moyenne à... Bah oui, moi aussi, c'était ça, hein. Le strict minimum. À part pour les maths, où il y avait même pas de strict minimum, c'était... je faisais rien. Alors, j'ai... En fait, j'ai toujours eu un souci, c'est que quand j'aime pas quelque chose, je le fais pas. Du coup, ça a été un peu embêtant pour les cours. Des fois, je me forçais, mais genre les maths, je me suis jamais forcé. Je me suis toujours dit, ça me saoule, j'ai pas envie. Du coup, j'avais que des mauvaises notes, H24. Il y a juste, en troisième, j'avais des bonnes notes parce qu'il y avait le brevet, tu vois. Après, en seconde, je suis allé en L, quoi. Je suis allé en L, en première. On m'a dit, salut mec. J'ai fait ça long. J'ai eu ça avec l'anglais, mais arrête. Tu es bilingue. Tu es bilingue, Mizu. Ah, mais c'est pour ça lui gratte. Il y a des petits bouts de choses sur elle. Ah, mais putain, la mouche, laisse-moi. Non, c'est où après? Dans son huc. Ah là. Là. Et descend. Ici, nous fait. Ça pète un plomb. Ok. Merci à toi, nouveau sujet. Je me sens bien plus propre. Je ferai appel à toi si j'ai besoin d'autre chose. Ok. C'est bon, on a traité la mycose. Parfait. Attends. Oh, ok. Je vais réussir. Non, je vais perdre le truc. Mais ouais, moi, anglais, j'étais vraiment bon. Ouais. J'étais bon au lycée. Au collège, j'étais pas ouf. Franchement, je me souviens, il y avait un bulletin où le prof d'anglais, il a écrit « Machin fait des efforts, mais... » Non, il m'appelait comment? Il m'appelait « The French Guy ». Parce que je faisais aucun effort sur l'accent. J'étais « The French Guy », vraiment. On était là pour parler français en anglais. Aucun respect. Ah, c'est toi, Mario, nous avons réussi à nous enfuir du château de la princesse Peach. Et pendant notre fuite, Bowser nous a attaqué, nous avons été séparés de Luigi. Non. Mais non. Mon Luigi, il est là. Il est là. Que j'ai gagné à la fête foraine, bien sûr, de à la foire du trône de Paris, tandis que mon coloc de l'époque a payé 30 balles, je crois, pour avoir Nemo. Il l'a pas eu. Et ouais, mon pote. Il a dépensé 30 balles comme ça, au hasard. Il n'y avait vraiment pas de matière où j'ai cartonné. J'aimais bien l'écho, l'histoire, géo, mais pareil, je faisais le minimum. Ouais, ouais, bah oui. Bah oui, tu m'étonnes. Après, c'est ça le souci aussi avec les cursus généraux comme ça. C'est que, tant que t'as... Enfin, en fait, t'as l'impression de pas être du tout fait pour ça quand tu... Il n'y a pas forcément une matière qui sort de... Qui sort de, du lot, quoi. Genre, tu te dis... Tu te dis, bon, ça, je déteste pas. Mais c'est pas que t'aimes bien, c'est juste que tu détestes pas. Donc, après, pour derrière faire des études, c'est un peu compliqué de choisir. Pas ouf en français, le man. Ouais, non, j'étais pas ouf. Non, t'étais pas ouf. J'ai cartonné. Ouais, non, mais t'es... Pas grave, c'est pas grave. Ah, au fait, nous avons trouvé une super étoile. Prends-la, je suis sûr qu'elle te sera utile. Let's go. Let's go. Mais non, par exemple, tu vois, l'histoire géo, ça, c'est la matière... En vrai, au lycée, j'aimais bien, mais j'étais pas non plus en mode c'est trop bien. Et maintenant, moi, je regarde tout le temps des vidéos
d'histoire et de géo. Genre, je fais que ça. Je regarde tout le temps des vidéos d'histoire avant de m'endormir. Genre sur des sujets divers et variés, bien sûr. Genre, je regarde Nota Bene et tout, je regarde tout le monde. La folle histoire, histoire appliquée, moi je regarde tout le monde. Et ça me régale. Charlie Danger aussi. Mario, c'est bien ainsi que tu t'appelles, n'est-ce pas? C'est ce que m'ont dit tes amis qui sont arrivés ici tout à l'heure. Mario, je ne sais pas pourquoi ce nom me rend nostalgique. Mais non. Comment ça? J'ai conduit tes amis au garage, mais non. Il semble avoir des choses à te dire, tu devrais vite aller les voir. Comment ça? On doit parler? Il faut qu'on parle, c'est ça? Non. Non, encore? Il est de retour? Oh non. Pas trop scolaire l'histoire géo pour le coup. Bah oui, c'est ça. L'histoire géo, c'est vraiment le scolaire de base. Après, c'est pour ça, peut-être que c'était... tu vois, ça m'intéressait quand j'étais au lycée, collège. Mais peut-être que le format n'était pas le bon pour moi. Alors que du coup, si vu que je regarde des vidéos, tout ça maintenant, de façon un peu plus ludique, donc, et pas des vidéos full histoire, full chiant. Donc peut-être que c'était plus ce genre de format qui aurait été intéressant d'avoir, tandis que mon chien est en train d'aboyer pour rien. Les Lumas vont nous aider à construire un vaisseau spatial. Quand il sera terminé, nous pourrons chercher avec toi la princesse Peach et des super étoiles. Hâte de voir le... Ok. Le vaisseau a été conçu spécialement pour les Toads. Ok, ok. Nice. Hâte de voir le vaisseau spatial. Ouais. Ok. J'ai pas lu, du coup, il faut faire quoi? Nous nous trouvons donc sur la base mobile de cette harmonie. Mais qui est-elle donc? Serait-ce une sorcière? Non, bien sûr que non. Ça sert à quoi? Faut aller là? Oh. Je sais pas, faut aller où? Faut faire quoi? Pas compris. J'ai pas lu. Garage, réparation, tout modèle. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Ah ça, peut-être? Oh, level up là-dessus, directement. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Alors là, je ne sais pas trop comment, mais nous aussi, nous sommes arrivés jusqu'ici. Nous allons t'aider à secourir les super étoiles et la princesse Peach. Tu peux compter sur nous, Mario. Ah ouais, mais du coup, on fait quoi? C'est tout? On va la sauver, ça y est? Eh bah écoutez, on y va. Poste d'observation directement. On va scruter la prochaine planète qui va nous permettre directement d'aller sauver Peach. La pêche. Nyan. Poste d'observation. Ok. Il en faut 8 pour aller là-bas. J'en suis très très loin, mon pote. Je peux tenter d'aller chercher une seconde étoile là-dessus sur le royaume des abeilles. Ça peut être un truc. On va voir comment s'appelle l'étoile. Alors, tac tac tac. Elle s'appelle l'incident de la tour d'observation. D'accord. D'accord, bah écoutez, on va voir. Hein, voir ce que ça donne. Mais oui, du coup, aujourd'hui, je retourne un petit peu à des trucs un peu plus scolaires. Notamment par le biais de l'histoire géo. Mais c'est vrai que c'est pas évident. D'ailleurs, je sais même pas comment ça se fait, honnêtement. Je sais pas comment ça se fait que j'ai fait un bac plus 5. Parce que, à la base, ça me faisait tellement chier les cours. C'était une dinguerie. Genre, vraiment. Après, il y a des moments où j'ai voulu arrêter, tu vois, les études. Parce que ça me saoulait. Mais, j'ai pas arrêté parce qu'on m'a... Enfin, on m'a pas forcé, hein. Mais on m'a dit... on m'a remis sur le droit chemin, entre guillemets. Et de toute façon, j'avais rien d'autre à proposer, mis à part ça. Ça, c'est pas... Pas comme si j'étais en mode « Vas-y, je vais arrêter pour aller faire ça ». Je n'avais pas d'idée, en fait, j'étais paumé, tout simplement. Donc, assez compliqué. Mais bon, on s'en est sorti. Finalement, aujourd'hui la situation est que j'ai bac plus 5 dans un secteur que j'aime bien. J'aime bien, mais c'est pas la passion non plus, tu vois. Après, je sais pas si c'est forcément obligé de... d'allier passion ou pas dans un métier, mais je trouve ça... En fait, je sais pas. J'espère que... Il faut que je me refasse une expérience dans le domaine, peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que je changerai après ça, mais je pense que j'ai pas assez...
Ouais, c'est assez été dans le domaine pour être sûr de savoir si, si j'aime bien ce job en fait. Le type de secteur. Alors ça c'est quoi là? Oh, il y a peut-être quoi? Ah ok. C'est tout? Ok, bon j'ai fait de la merde. Ok. Hop. Et toi, ouais, t'as pas eu la motive, Mizu? Ouais, ça se comprend, hein. Moi, je trouve ça giga dur de trouver sa voix. Hein. Moi-même, à 24 ans, du coup, je suis pas sûr d'avoir trouvé ma voix. Hein. Ça, le pire. Je sais pas, j'ai l'impression... est-ce que je serais sûr à 100% un jour d'avoir un truc qui me plaît vraiment? Qui me plaît autant que mes espérances, quoi? Je sais pas. Je sais pas, on verra. Hop, alors, comment on fait pour tourner la tête comme ça? Logique, finalement. Attends, est-ce qu'on pourrait... Ça sert à quoi cette balançoire, mis à part prendre la pièce, là, il y a forcément un moyen de faire quelque chose un peu mieux, quand même. Ah ouais, ça se balance un peu plus, là. Ça se balance un peu plus. Est-ce qu'on peut tenter d'aller là-haut? Bah, ça n'a pas l'air trop faisable. Et si on passe entre ces murs, là? Oui, là, je pense qu'il y a moyen. Hop. Mais monte. Ok. Pardon. La douleur m'égare encore une fois. Putain. Ok. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur en saut. C'est win. Ne vous inquiétez pas. Ok, c'est loose. FF. FF. Ah mais c'est là qu'il faut passer en fait. Boum. 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 Voilà mon pote. Voilà, tu mérites. Voilà. Et boum. C'est réglé quoi, c'est dans la boîte. Attends, toi. Eh, viens là. Oh putain, ça a bugué. Non, j'ai mis ce clic. Ah. Hop. Ok. Dans la demeure là. Je reconnais. Je reconnais. Comment je vais faire pour défoncer ces cailloux là? Oh. Il faut juste esquiver. J'ai l'impression qu'il faut juste esquiver. Putain, j'ai mis ce clic. Un jambon. Ok, ça va. Ça va, on descend là. Ok. Voilà. Vous êtes devenu Mario Arc-en-Ciel. Aucun ennemi ne résiste aux couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, let's go. Au seul moment. Mario Arc-en-Ciel, ouais. Merde. Hop. J'ai vu tout dessus. J'ai l'impression. J'espère. J'ai pas fait gaffe. Attends, je lis juste après mes yeux. Je vais juste aller check en bas. Ok, j'ai tout fait. Alors, j'ai fait une année en licence histoire qui m'a tué en termes d'investissement. C'était ultra vénère. Après, en information, en infocom, c'était free, j'allais jamais en cours. Du coup, ça arrivait à la licence, c'était soit école de journalisme, soit rien. Je voulais pas me refoutre dans du travail vénère. Ok, ouais, je capte. Du coup, c'est à partir de là que t'as voulu trouver une école de journalisme et que t'as pas eu celle de Tours, non? C'était pas une histoire comme ça aussi? T'as pas eu celle de Tours? Mais ouais, tu m'étonnes. Ça, en fait, je trouve ça très compliqué de trouver sa voix quand t'as pas... En fait, tu sais, il y a des gens, ils ont des passions et tout de fou, mais genre, moi, j'ai pas de passion. Un peu triste à dire, tu vois, mais moi, j'ai des trucs que j'aime bien. J'ai des trucs que j'aime bien sur un temps, tu vois. Dans le sens où... sur une période donnée, je vais aimer, je sais pas, apprendre le japonais, peut-être. Après, ça va passer. C'est ce genre de truc, moi. Qui fait que bah, c'est quelque chose qui dure pas suffisamment longtemps pour en faire un travail ou faire des études en rapport. C'est assez dommage. Après, là, moi, j'avoue, j'aime bien le stream. Est-ce que je ferais pas une école de streaming pour devenir, bien sûr, un créateur de contenu exemplaire? Il y a peut-être un truc à faire, hein. Ah, je pense, hein.
Nyon. Ok. Bizarre là, je suis en train de tomber dans le vide là. Non. Non. Ça a bugué, je crois. Ça a bugué, trop bizarre. Bon, Bordeaux, Marseille, j'ai tout loupé. Oh non. Ah, oh, t'as pas tout loupé. Tu l'as eu au final, ton école de journalisme, quelque part? Ou pas du tout? Dites tout ici pour japonais, en vrai. Tachi no Nimbo wa Oishi des. Pourquoi je dis Oishi? Attends. Ok, ça passe. Ok, c'est bon. Mais ouais, pourquoi pas en vrai. En plus, le pire, c'est que j'ai fait du tourisme quand j'étais en LEA, parce que du coup, j'ai fait une licence de LEA, langue étrangère appliquée, où il y avait plein de trucs. Je trouve que la LEA, c'est un peu le fourre-tout des licences, où c'est quand tu veux faire des études, mais t'es pas trop sûr de ce que tu veux faire, donc tu fais LEA parce que bah, y a un peu de tout, quoi. C'est plutôt pas mal. On nulle part. Oh, la tristesse. Ah, tu m'étonnes. Je m'étonne que c'est galère aussi. En plus, école de journalisme, mine de rien, c'est quand même un truc qui est vraiment demandé, tu vois. C'est un peu comme les trucs de politique, de ce genre de choses. C'est vraiment une infime partie des gens... une infime partie des gens peuvent y accéder, quoi. C'est sous dossier et tout, c'est chaud. C'est chaud. C'est ouf, ouais. Je comprends. Ouais, d'ailleurs, je sais même pas comment j'étais accepté en master. Hein. Après, avec le recul, je me dis... oui, ça va, parce qu'en fait, c'est un master de guignol. Mais c'est juste que, en fait, moi, à la base, genre, j'arrive à l'entretien de master. Déjà, moi, guignol, j'ai postulé à 2 masters, je crois, de mémoire. Deux masters, le premier il m'a refusé. Deuxième, du coup j'ai eu un entretien. J'arrive. Déjà la meuf elle est en mode « Vous êtes un peu jeune pour notre master. » Et ben j'ai juste une scolarité normale dans le sens où j'ai pas redoublé. Et elle dit « Ah mais nous dans notre master, ils ont plein d'expériences à l'étranger et tout. C'est un master l'élite quoi. Vraiment on est sur des personnes qui sont de l'élite. » Ils viennent chez nous, donc pas n'importe qui. Et je sais pas, moi j'étais en mode « Ah bah c'est loose alors ». Enfin c'est loose, j'ai dit dans ma tête, hein. J'ai pas dit à la dame, imagine. En plus c'était la directrice du master. En mode « Bon, pas compliqué alors, j'ai crevé là ». Et finalement c'est passé. Je sais pas comment, mais... Mais tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi. Putain! Attends. Il y a une mouche devant moi, c'est pour ça que j'écris. Ok, on arrive là. Non! J'ai loupé le truc. Je suis trop bête. J'ai crevé là. Ah non. D'ailleurs, le dédain. C'est ça. Bonsoir, c'est l'heure de cut le live. Je viens d'arriver, c'est la fin. Mais non, c'est pas la fin, Riverplay. Comment tu vas? C'est pas encore la fin. Mais c'est vrai que t'arrives à une heure avancée du live. Après, est-ce que ça serait pas le but finalement? C'est que tu me détestes, donc tu veux me voir le moins possible. Ça se comprend tout à fait. Un peu fatigué d'avoir rien foutu aujourd'hui. Ah ouais. Ça a rien foutu. En vrai, tu sais que moi j'ai fait pareil ce week-end, j'ai rien foutu le samedi. Et j'étais éteint le soir. J'étais en mode, voilà, oh là, mais la journée de zinzin que j'ai passée, vraiment. Fait pas plus productif quoi. Pas du tout. Et c'est parce que t'es en vacances, c'est ça, Riverplate? Trop cool, hein. Trop cool. En même temps, c'était un peu une journée à ça, hein. Enfin, je sais pas si chez vous c'était ça, mais chez moi il faisait froid et il pleuvait. Donc autant dire que c'était pas forcément le genre de temps où t'as envie de faire des choses trop productives. J'étais au travail. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis une story sur Twitch. J'ai fait un Mario en dessin qui était plutôt accurate. Donc ça m'a plutôt régalé. Au lieu de travailler, bien sûr, j'ai fait ça. Putain, attends. Ah oui, je peux balancer des étoiles. Ok, ça me bat les couilles, j'ai l'impression. Oula. Ok.
Ok, on a tué le petit. Il est... Voilà, il est chopard de baiser d'âge. Ouais. Il m'a poussé là. J'aimerais. Il se passe quoi? Oh putain. Bon, on va attendre de faire le tour. Non, mon impression 3D est pas finie, du coup je peux pas poncer ni peindre et j'attends la... j'attends tel le mème de Tarantino. je vois quel mème de quel mème tu parles. Ok, et t'imprimes quoi en 3D? Ah, j'ai un pote aussi qui a une imprimante 3D et qui fait plein de trucs avec. Des trucs de déco et tout, des trucs utiles. Ouais, c'est stylé. Stylé comme système. On a juste à le pousser dans le vide, non c'est... Ah non, pas besoin. Ok. Des casques Star Wars que je vends. Oh, mais trop bien. Incroyable. Et ça marche bien. Oh, ça doit être stylé, ça. Si t'as des screens, hein, n'hésite pas. Après, en plus, tu les peins et tout, oui. Bah oui, c'est ce que tu dis. Je peux pas poncer ni peindre. Enfin, incroyable, en vrai. Non, moi, je suis tellement pas manuel que... bousillerait le truc si j'avais ça. Nouveau, sauvegarder. Hop, on a une étoile en plus. Après, ça sera pas suffisant pour trouver une autre galaxie, je pense. Mais je vais regarder. On a quoi? Ah, on a une nouvelle galaxie, ceci dit. Ici, mais qui se débloque pas de la même façon. Défi du surf. Bah écoute, on va aller là-bas. Ça nous rappellera un peu Mario Sunshine. C'est le début, quoi. Ça avance tranquillou. Je t'enverrai ça si tu veux. Ça marche. Ok, bah c'est cool. C'est cool. Petite impression 3D, c'est vrai que tu peux faire pas mal de trucs stylés avec quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, une course? C'est loose. C'est complètement loose. Oh non. Oh là. Oh, je suis trop nul aux courses. Pourquoi lui il est différent? Toi aussi tu veux faire du surf sur Ray? Non. Oui. Ok. Ah, c'est la première fois que tu fais du surf sur Ray, n'est-ce pas? Je vais t'expliquer comment on fait. Bien, je vais t'expliquer. Essaie donc d'imiter l'exemple donné en bas à droite de l'écran. Ok. Attends. Ouais, ok. Pardon. Voilà comment... Comme ça, c'est la position de base. Pour tourner à gauche, fais pivoter la manette vers la gauche. Ok. Ok. À droite, vers la droite, je suppose. Ok. Oh, t'as déjà joué à Mario... Mario Galaxy River Plate? Voilà, c'est comme ça qu'on tourne vers la gauche. À l'inverse, pour tourner à droite, fais pivoter la manette vers la droite. Mais oui, ça me paraît tout à fait logique, ça. Voilà comment on tourne vers la droite. Et enfin, tu accélères en appuyant sur B. Ça marche. Et bah, c'est parti, alors. C'est parti, j'ai envie de dire. Ok. Ok, c'est win. C'est win. Ok. J'ai loupé 12 pièces, c'est loose. C'est FF. Merde, je loupe tout, c'est pas grave. De toute façon, on est pas là pour la thune. Jamais j'ai fait un saut de la Game Boy Color à la Switch. Ah oui! Oh, le big saut! En même temps, tu sais, des fois, t'as pas l'envie ou quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir sur la Switch, justement, River Plate? Le fait d'avoir arrêté pendant autant de temps, là, c'est que t'es pas forcément quelqu'un qui joue trop aux jeux vidéo. Ok. Non. Anna. 4 morts. Ma copine est Animal Crossing. Ah bah oui, putain. La période. Tu l'as eu pendant le confinement ou pas? C'était vraiment le prime de Animal Crossing, le confinement. Faut pas se mentir. Non, c'est énormément descendu, mais moi j'y avais passé du temps. Hein. Vraiment. Vraiment. Et là j'allais sur Twitter pour demander à des gens à combien était leur taux de vente pour le navet. Le cours, parce qu'il y avait le cours du navet en fait dans Animal Crossing. Et du coup en fonction de l'île, et bah ils se vendaient un certain prix, et donc on allait sur j'allais sur Twitter demander à des gens à combien c'était sur leur île, et après je venais et tout, et genre il y avait un droit de passage, donc je vais les payer et tout. C'était un vrai trafic de navets, mais en même temps c'était ce qu'il fallait, hein.
Ok, j'ai peur. Let's go. Pas mal, pas mal. Exactement. Tu faisais ça aussi ? Une minute une, bravo pour te récompenser, je te donne cette médaille d'or. Quoi ? Je suis trop fort en fait. Ah mais non, c'est juste une étoile, ok. Je croyais que j'avais fait un temps de fou et tout, mais en fait c'était pas incroyable, je pense. C'est pas grave. Après on fait ce qu'on peut. Hein. Fait ce qu'on peut. Hop ! Voilà, une petite étoile gratuite. En plus, j'ai réussi ma course, mais pas du premier coup. Effectivement, je suis peut-être mort une fois. Ça a pu arriver. Mais ça reste tout à fait ok. Hop. Vous avez trouvé une étoile. 6. On est à 6. Galaxie complète. Comment ça, galaxie complète? Pas compris. J'ai pas compris. Hop. On va monter. Quand il dit galaxie... Oh, il y a un nouveau truc là-bas, je peux y aller? Je peux pas. Défi du surf, donc ça c'est bon. Du coup là, j'ai que... de quoi aller sur ces deux îles. Et pour en avoir 8 et pour directement aller sur la planète Bowser bizarre là. J'ai l'impression que c'est ça. Ou bien, attends. Est-ce que j'irai pas parler un petit peu dehors? Et ouais, en vrai je comprends. Animal Crossing, ça a quand même été une grosse période. Et en vrai, ça a carré le confinement. Hein. On va pas se mentir, hein, parce que finalement c'était difficile du point de vue occupation. Mais ça a pris pas mal de temps. Après j'ai pas joué tout le confinement à Animal Crossing. Après je suis retombé dans mes mauvaises habitudes, c'est-à-dire que j'ai recommencé à jouer à LoL pendant le confinement. Franchement j'aurais pas dû. Hein. C'était pas la bonne idée. Passer trop de temps sur LoL. Et le pire, c'est que c'était pas forcément du plaisir, tu vois, c'était juste par habitude. C'est juste en mode addict. Un peu triste, mais bon. Est-ce qu'on peut, hein? Ok, je peux pas débloquer cet observatoire. Et ça sera un prochain observatoire, a priori. Hop! Le double saut directement. Attends, je vais peut-être pas aller... si j'y vais. Pourquoi? Merde. Il y avait le vide en dessous. Je voulais me suicider. J'ai même pas le droit. Une dinguerie de faire ça. Attends. Oh, il y a... Ça fait quoi? Hi. Ok. Ok. Terrasse, garage, ok. Attends, mais je peux pas... Je peux pas me TP direct? Non, je peux pas. Pourquoi il y a... C'est bizarre. Ok, c'est pas grave. Oh, putain. Ah là là. C'est vrai que confinement, le premier, hein, je parle le deuxième, bon, bizarre. Le premier, un petit jardin, ça aurait fait quand même du bien. Parce qu'au bout d'un moment, c'était un peu compliqué de pas sortir. Enfin, je sortais pour les courses et tout, mais j'aurais un peu irrespirable. Surtout sur la fin, quand il faisait vraiment chaud. C'était pas simple du tout. Dans un appart dans les combles en plus. Mais bon. On est sorti vivant. Et on est là aujourd'hui, bien sûr. À jouer à Mario Galaxy. Donc franchement, qu'est-ce qu'il nous fallait? Putain, la bouche! Ok, pardon. L'Huma vont nous aider à construire un vaisseau spatial quand il sera terminé. Nous avons cherché. Oui, oui. Et j'ai déjà dit ça. Attends, je peux pas. Merci, ouais. Est-ce que je peux leur donner. Délicieux. Ok. Non, j'ai pas l'impression que je puisse parler plus que ça au Todd, quoi. J'ai pas l'impression. Bon, bah, je vais retourner sur l'une des planètes qu'on a déjà faites pour récupérer une étoile. Voilà, on va aller à l'observatoire. Ok. Boum. Directement. L'avancé. Royaume des abeilles, planète... Vas-y, on va retourner au royaume des abeilles. On va prendre la troisième étoile de ce royaume. Je sais plus il y a combien d'étoiles par royaume. Peut-être 6. Je suis plus trop sûr. Le clan Scarabée contre-attaque. Ok. Ok, ah oui, mais j'y suis déjà allé contre eux, là. Non ?
Bah. En tout cas, je suis jamais à la gauche. Je sais pas si je peux y aller. Je pense pas avec l'eau. Ouais, non, ça m'a pas l'air possible. Oh, attends. Alors peut-être, directement, l'exploit bug. Non. Ah. Non, ça marche pas. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb, je pense. Oh, mais ils sont partout. Ah ! Ah ! Ouais, le clan Scarabée nous attaque. Mais non. Oh, la dinguerie. Le clan Scarabée, quoi. Il me fait peur comme ça, Riverplate. Ça va pas ou quoi ? Ça va pas ? Tu vois, ça, ce genre de son, c'est le genre de son qui est pas reproduisible maintenant. Parce que avant, j'avais un micro un peu à chier. Maintenant, mon micro est beaucoup mieux, donc ce son n'est même pas pesable, en fait. Genre, c'est triste. On aurait peut-être plus ce type de son à l'avenir. Mais bon, c'est pas grave. On va immortaliser. What? Ok. Ah non, à bulle, carrément. Non, j'ai envie de voir, ça me mène où. Il n'y a pas moyen de faire... On va se promener un petit peu parce que du coup la map a un peu changé. Oh attends, ça c'est pas mal ça. Voilà. Hop. Ok. Voilà. Mais putain, mais la mouche m'a saboté. Mais putain. Assois. Votre énergie est montée à 6, elle reviendra à la normale si elle retombe à 3. Ok, pas mal. Voilà, hop, ça dégage. Hop là. Bon du coup, comment s'est passée votre journée là ? Riverplate, tu m'as dit que t'avais pas fait grand chose. Comment a été ce lundi ? Moi perso, en vrai, travail, c'était plutôt tranquille, il y avait pas grand monde. Parce que je crois que, oui, c'est les vacances scolaires. Du coup, il y a beaucoup de parents qui ont pris des congés. Donc c'était pas mal calme au travail. Mais bon. Ah d'ailleurs je dois ramener des thunes pour le café. J'avais oublié. J'ai maté Matrice et j'ai joué à War Thunder en attendant avant d'aller chercher le fiston chez Amine. OMG. Ça s'est fait une après-midi dans les avions. En vrai, il était sympa ce jeu, j'y jouais un peu quand j'étais au collège. War Thunder, là. C'était cool. Bon, du coup, c'était une journée qui était plutôt agréable, on va pas se mentir. T'as dit, j'ai rien fait de la journée, nanana, mais en vrai, avoue que t'as quand même kiffé. T'as quand même kiffé. Hop, on prend ça, on va aller dans le tuyau. Nyan. Transforme en abeille. Hop là. Descend où ? Ah mais ça descend là, c'est pour faire un raccourci. Ok. Je vais aller manger à bientôt. Ça marche Pyrox, merci d'être passé. Bon appétit à toi. Bon appétit. Et en tout cas, très cool le jeu pour le moment. Très très cool, ça régale. Ça se met très très bien. Hop. J'ai les mottes. Yes. Yes, yes, yes. Oh merde. Est-ce que je me suis pris dans la gueule là? Ah, ok. Voilà. On monte. On va réussir. Ah oui, mais ici, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Ah si, peut-être. Attends, il y a un chemin ou pas? Ah, mais il faut arriver ici en abeille et sauter au milieu, ok. Je viens de capter. Hop. On va devoir garder l'abeille un certain temps alors. Voilà. Tac. On monte. Et Matrix, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu en vrai. Je l'ai vu, je crois, la dernière fois, j'étais au lycée. Et d'ailleurs, je l'ai vu parce que c'est la prof de philo qui avait mis Matrix pour... Parce que en gros, on gardait un film, je sais plus, deux fois par trimestre, et on devait faire une analyse philosophique dessus. Donc en vrai, c'était plutôt stylé, et on avait eu Matrix à un moment. Nyon. En vrai, je suis content d'avoir une prof de philo sympa, parce que en L, j'en avais 8 heures. Si ça avait été de la demeure, ça aurait été compliqué, quoi.
Ouais, trop bien, j'avais pas ça, ouais, tu vois. Je pense que c'est quand même assez, assez rare d'avoir ce genre de choses. Bon, t'as le classique prof de philo qui, où on capte rien, qui est soporifique, et qui du coup donne pas envie d'apprendre la matière, enfin de réfléchir un peu différemment. OMG, il est gros lui, le scarabée là. Hop. Non. Oh non, merde. Ah non, putain, j'ai plus la transformation, vite. Vite. Toi, t'avais un prof de philo classique. Power plates. Hop. Ok, j'arrive au-dessus. Boom, directement. Latin. Scarabrut en sueur. Ah bah là, Scarabrut, t'inquiète même pas. Tu te fais défoncer par celui-là. Ah, il balance des grenades. Non, c'est trop. Oh, des bombes. Ok. Boum. M'envole. Et boum, mon pote. Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Ça maîtrise les jeux vidéo ici. Quoi? Il est déjà mort? Non. Ok. Oh, il balance des. Prends pas le man. Ah oui, mais attends. Il est sur le côté. Comment on fait? Comment on fait? Ah non, mais il est sur le côté de temps en temps. Ok. Ah! Ok, je m'accroche là. Pour avoir un point d'accès un peu en hauteur sur le Scarabrut. Oh, il va trop vite. Ah non, j'ai glissé. Non, 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 pas dans l'eau, pas dans l'eau. Non. Ok, ça passe. Ok, c'est la demeure. Ah non, il est trop loin. Ouh, yeah, 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 yeah. Explosion. Attends. Youhou. Non, j'ai loupé. Attends, je peux l'avoir quand même. Je peux l'avoir quand même. Hop. Non, je peux pas l'avoir. FF. Attends, si. Ah, il va dans l'autre sens, le con. Il a changé. Ouais, non, il faut forcément avoir l'abeille pour l'avoir. On doit pouvoir planer un petit peu. Attends. Je vais l'attraper au passage. Ok. Directement. La retourner. Ah. Oh, j'étais pas loin. Oh putain, je vais me faire exploser la gueule. Ok, ça va. Ça va, ça va. Ok. Ça passe, ça passe. Eh putain, j'ai envie de tester un truc plus tard. Enfin, plus tard, peut-être dans la semaine. J'ai vu qu'on pouvait multi-stream maintenant sur Twitch. On peut stream sur plusieurs plateformes à la fois en même temps. J'ai envie de tester ça. De faire YouTube et Twitch pour voir ce que ça fait. Après, je sais pas si c'est hyper consommateur au niveau de la connexion. Mais ça pourrait être un truc. Le seul critère, je crois, de ce que j'ai compris, ce que demande Twitch, c'est de valoriser le chat le chat Twitch, quoi. Et de pas valoriser le truc de l'autre plateforme, quoi. Donc si c'est sur YouTube, par exemple, on va pas trop parler au chat, finalement. Ce qui, je trouve, est assez dommage, dans le sens où, bah, s'il y a des gens sur YouTube, bah, enfin, il faut bien leur parler aussi. Alors c'est un peu bizarre, je trouve, comme idée. Mais bon. Il fallait qu'ils se mettent un peu à la page. Oh, j'ai loupé. Je suis trop nul, en fait. Je suis trop nul au jeu vidéo. Je vais arrêter ma carrière. Il est mort. Hop. Ah, c'est pas passé, là. Attends, j'attends qu'il fasse le tour directement. Hop. Oh, mais voilà, mon pote. Scarabrut en sueur, comme tu dis. Ça dégage. Petite étoile. On se régale ici. On se régale. Hop. Voilà. J'ai obtenu une super étoile. Incroyable, mon pote. Ok. Je peux débloquer une autre planète grâce à ça, peut-être? Parce que j'en suis à 7. Mais est-ce que ça va débloquer le truc mystère, là? Je ne sais pas. Une nouvelle galaxie a été découverte. Let's go. Ok. Il est quelle heure? 8h18.
Vous savez quoi? Je vais aller dans cette nouvelle galaxie. Et puis on s'arrêtera juste après. Mais je pense qu'on va se faire plus de sessions pour avancer un peu sur le jeu quand même. Ou bien je commencerai plus tôt. Ou bien je mangerai pendant le stream, je sais pas. Je trouve un truc. Parce que je vais essayer de... Salut! Ça va? J'essaie de stream 3 fois par semaine. Juste à voir quand je cale le stream hors GeoGuessr. Parce que j'adore aussi jouer à d'autres jeux que GeoGuessr, bien sûr. Donc, c'est pour ça que ça me manquait. Là, d'ailleurs, il n'y avait plus trop de stream hors GeoGuessr. Donc là, ça me fait plaisir de commencer un nouveau jeu. Qui plus est, qui est très cool. Donc ça me régale. Régale, pardon. Tu vas me laisser passer. Ok. Hop. En plus, la gueule de concentrer sur un gros zoom comme ça, là. Abusé de faire ça. Qui a mis cette option, là? Qui a pété un plan? Oh putain, j'avais pas vu. Onde de choc, on voit que ça. Le débile, c'est Wham. Oh merde. Ok. Ok. Oh putain. Vite. Vite. Ok. Nice. Nice, nice, nice. Juste une étoile en fait, mon pote. Ça part juste sur une petite étoilesse. Oh putain. Je vais crever. Arrête. Un peu du mal quand c'est vraiment en arrière comme ça là. Bon. Attends. Ok. Ok, ça passe. Elle est où l'étoile? J'ai pas vu. Elle est là. Boum. Voilà. Petite étoile, mon pote. Ça se met très bien. Ça se met très bien. J'ai obtenu une super étoile. Non, vous savez quoi? J'ai pas envie d'arrêter maintenant parce que c'est trop rapide. Du coup, vu qu'on a 8 étoiles, on va tout simplement aller sur la nouvelle planète et faire la première étoile de cette nouvelle planète. Galaxie complète. C'est mal la galaxie, quoi. Nouveau. On a... Une nouvelle. Nous avons découvert leur poste avancé. J'espère qu'ils ne préparent pas un mauvais coup en utilisant l'énergie de la grande étoile. Eh bien si, malheureusement. Hop. Ah mais du coup c'est le dernier monde, donc il va y avoir un gros boss, je pense. En vrai, c'est pas mal pour finir un stream, je trouve. La preuve du contraire, c'est plutôt pas mal. Usine de robots. OMG Bowser. Bowser vénère. Je sais pas si vous avez vu, mais du coup, il y a Super Mario Wonder qui est sorti il y a quelques jours. En vrai, je pense que ça peut être un bon jeu, par exemple, toi, River Plate, qui a acheté une Switch. Ça peut être un bon jeu à faire en coop. Un bon jeu à faire en coop, en local. Ça peut être intéressant. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque, quand il y avait Mario Bros. Qui était sorti. Moi, ça jouait, hein. Ça jouait en coop de fou. Bon, généralement, vu que c'était mon frère, il était giga nul. Donc, j'arrêtais pas de le carry, mais quand même, ça avait le mérite d'être là. Robot, comment on les a? Ok. Hop. Ah, attends, on peut pas le shoot? Ah si, ok. Donc, si jamais, ça peut être une idée. Le jeu coop. Après, il y a It Takes Two aussi en jeu coop, évidemment. Bon, après, c'est pas un Mario, mais ça reste tout à fait intéressant. Est-ce qu'avec la bille, là, on peut... Ouais, voilà, on peut péter les vitres. Vas-y, on va attendre qu'il arrive sur nous. Ok. On va aller là. Il est où? Yo! Hi! A way out aussi, je coop. Ouais, c'est vrai qu'il était cool, celui-là. On s'échappe d'une prison, là. C'est vrai qu'il était sympa. Je sais pas si tu l'as fait du coup, ou si juste tu connais deux noms. Mais vraiment sympa à faire en coop. J'avais fait avec un pote. C'était plutôt sympa. Après c'était pas dans le même registre, mais j'ai bien aimé aussi... Enfin, j'ai limite préféré à It Takes Two, même si It Takes Two était vraiment un jeu de fou, quoi. C'était le let's play gameplay du JDG. Ouais, j'ai le JDG. Il le faisait avec qui, JDG? Avec Antoine? Avec celui de Mintos Antoine. Ah, ok. Mintos Antoine qui avait fait. Et JDG, il l'avait fait avec qui?
Voilà, alors te voilà, inutile de déranger papa pour se débarrasser de toi. À l'attaque, Mégapod, montre-lui l'étendue du pouvoir des grandes étoiles. Ok, c'est parti. On va le défoncer, je suis chaud. Avec Seb ? Ah bah oui, évidemment. Le joueur du grenier, quoi. Littéralement. C'est quoi ça, là ? Et gros, le robot, quand même, là. Tout ça ? Tout ça, pour moi ? Non. Un peu abusé, je trouve. En plus, il balance des billes à la gueule. Bah, faut faire quoi ? Faut faire le tour. Ok, il y a le pied, là. Oh, ok, il faut monter sur le pied. Directement. La montée. Vite, vite. Parce que là, le Bill, il est un peu énervé derrière. Oh, putain. Ok, ok. On monte. Directement, attention. Parce qu'on part sur un parcours assez incroyable. Et en plus, on sait que je suis un très, très bon joueur de parcours. Ok. Ok, ça, c'est des trous. Je sais pas si c'est des trous de Bill. Ou si c'est... Ok. Ok. Je sais pas comment j'ai esquivé. Je sais pas comment comment j'ai fait ça, mais merci. Merci d'avoir cru en moi. Oh putain, la lumière comme ça, là. Oh, faut aller où ? Je comprends pas. Là ? Non. Là ? Ouais, mais... Attends, je vais descendre là, on va voir ce que ça fait. Ah mais non, c'est par là que je suis arrivé. Ok. Par là que je suis arrivé, donc... Ah, il faut peut-être aller au milieu, là. Oh oui. Mais je suis con, il fallait juste, ouais, jeter le truc dessus, quoi. Oh oh. Je suis dedans, haha. Vous allez faire quoi, en fait? Vous allez rien faire du tout, les gars. Par contre, si vous pourriez tirer... Si vous pouviez tirer un petit peu... Sur le dôme en vert, histoire que je casse. Ils veulent pas. Ouais, je suis obligé de... Ok. Vite! Venez là! Ouais, faut que je les amène vraiment... Vraiment, je les guide, quoi. Ok. Tranquille. Hop. Ok. Non, ça, c'était moi. Ok, ça, c'est bon. Let's go! Allez, ça dégage, le robot. Pa. C'est bon, en fait. Voilà, tranquille. Petite étoile, et finalement, c'était pas si long que ça. Hein. Franchement, on l'a défoncé, le boss. La giga étoile. Oh, la musique. Et boum! Vous avez obtenu une grande étoile. La chance. La chance. Nyon. Ok, la TP directement. Oh, ok. Incre. On a soigné le truc. On a tout soigné. Un petit pass. Et on a débloqué un nouveau poste d'observation pour accéder à une autre galaxie. Et on a complété notre première galaxie. C'est plutôt pas mal dans un jeu qui s'appelle Mario Galaxy. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est plutôt ok. Harmonie. Voici ce qu'on appelle le brasier. Son intensité est proportionnelle à l'énergie dont dispose l'observatoire. La puissance des grandes étoiles que tu récupères lui est restituée et alimente sa puissance stellaire. Mais non. Cette force permet à l'observatoire de la comète de parcourir l'univers. Ok. Nous recouvrons toute notre puissance, nous pourrons même nous rendre au cœur de l'univers, pardon. Ah oui, c'est pas mal ça. Après, cœur de l'univers, je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée. Parce que si c'est un trou noir, je pense qu'on a vu mieux, quoi. Un nouveau dôme s'est mis en marche. OMG, la salle de bain. Incroyable. Nous appelons le dôme qui vient de s'ouvrir la salle de bain. Comme tu as pu le voir, la carte n'indique pas seulement la position des dômes, mais aussi celle des galaxies, découvertes ainsi que toutes sortes d'informations utiles. N'hésite pas à me demander si tu ne parviens pas à trouver un dôme. Ok, ça marche. Eh bah écoute, on va sauvegarder. Et on va s'arrêter là. C'était pas mal déjà. Pas mal de faire une galaxie en un stream, franchement. Plutôt chaud. Après, je sais pas, il y a combien de galaxies en tout, mais c'est déjà pas mal. Et franchement, le jeu est très cool.
J'aime bien la façon dont... Oh, et toi là, tu n'aurais pas des fragments d'étoiles? Ouais, mais vas-y, c'est bon. Que du racket. Que du racket dans ma team. 400! Quel rat. Et du coup, oui, j'aime bien la façon dont... Enfin, juste le gameplay du jeu. Le fait de se déplacer sur des planètes et de en faire le tour de... En fait, c'est tellement différent, encore une fois, de Mario 64 et Mario Sunshine, que ça en devient très très cool. Ça y est, je suis repu, allez, on y va. Transformation. Hop là. Explosion nucléaire, mort. FF. Nouvelle galaxie est née. Ok. Eh ben écoute, bien wesh à moi. Bien wesh à moi. Et du coup, on a un nouvel observatoire. On va juste aller observer les planètes pour lesquelles on ira la prochaine fois. Hop. Mignon. OMG Sonaze, comment ça va? Tu vas bien? Lurk, Hucker, bonjour, oui. Comment tu vas? Merci beaucoup pour le second mois d'abonnement. Mais attends, t'avais pas pris 6 mois d'avance? Tu dois le refaire à chaque fois? Ah oui, mais non, je suis con, je sais pas comment ça marche en fait, je suis trop nul en Twitch. Mais merci beaucoup en tout cas, très gentil. Et très gentil, j'espère que tu vas bien. Hop. On a débloqué la poussière d'étoiles, qui est donc une planète sur laquelle on ira la prochaine fois. Malheureusement, je sais pas si tu viens d'arriver, Sonaze, mais c'est la fin du stream. C'est la fin du stream, on doit s'arrêter là, mais franchement, le jeu est très cool. Le petit Mario Galaxy, j'avais jamais fait Mario Galaxy. Pourtant, j'avais une Wii à l'époque. Mais je sais pas, je suis passé à côté. Moi, j'étais plus sur Zelda Twilight Princess. J'étais plus un Zelda fan, donc j'avoue que je suis un peu passé à côté. Mais pour le moment, c'est un plaisir. Donc voilà. Oh, tant pis. Oh bah, écoute, si ça t'intéresse, de toute façon, il y a la rediff. D'ailleurs, je vais télécharger la rediff juste après la mettre sur YouTube. Évidemment. Parce que j'ai juste envie de faire une miniature marrante. C'est pour ça que je les poste sur YouTube. Hein. Et c'est aussi pour la postérité, bien sûr. Bon, en tout cas, merci. Merci pour le sub, le resub, comme tu dis. Et puis, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. C'était un live très sympathique. Merci à tous d'avoir été là, du coup. Pour ce live, je remets la musique. Pour ce live Mario Galaxy. C'est le troisième. Avant ça, on a fait Mario 64 et Mario Sunshine. C'est le troisième qui est dans Super Mario All-Stars, donc le portage Switch des anciens Mario. Donc ça sera le dernier. Et après ça, eh ben, on ira sur du Wonder. Hein. On ira sur du Wonder, du Odyssey qu'on n'a pas fait également. On a de quoi faire avec du Mario en vrai. On en a pour quelques temps, on va pas se mentir. Oh, attends, pourquoi ça marche pas les bonhommes là? Attends. Je stop. Et je vais start. Peut-être ça a bugué. Hop. Oh, ça marche pas. Et après, on termine Ratchet & Clank. Putain, personne... Vas-y. Non, c'est vrai que Ratchet & Clank, je l'ai drop. Mais en fait, c'est pourquoi je l'ai drop. Parce que le dimanche, j'étais pas assez en forme pour stream. Et après, j'avais plus l'abonnement PS Plus. C'est ça la vérité. Après, j'aimais bien Ratchet & Clank, tu vois, mais c'était pas non plus... C'était pas non plus jeu de zinzin, tu vois. Mais peut-être j'y rejouerai. Y a pas de souci. En plus, je crois que c'est la... Non, c'est pas la première fois que j'abandonne un jeu en cours de route. Mais peut-être on y retournera un jour. On le finira. Parce qu'en vrai, ça reste un jeu qui était très cool, hein, qui était très beau visuellement. Qui était un peu bordel, mais qui était pas mal. Après, je pense que c'est un jeu qui était pas adapté justement au dimanche, où c'est peut-être le jour où c'est un peu plus chill, et là, t'étais en mode « Ok, putain, vite, il faut aller à droite à gauche, il faut pas mourir, ok, esquive droite, gauche. » T'étais un peu perdu. Peut-être que c'est un jeu qui correspondrait plus à certains moments de la semaine. Je sais pas. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci à ceux qui ont parlé dans le chat, à ceux qui ont regardez également ceux qui ont follow. Merci à Angel Petit pour le follow. Et merci à Titou pour le resub. Et Sonaze, du coup, pour le resub également. Merci d'avoir été là ce soir.
Donc cette semaine, on va live trois fois. Donc ça sera l'idée. Enfin, je vais essayer de m'y tenir. Ça sera de live trois fois par semaine, minimum, pour pouvoir avancer pas mal sur Mario. Sur Mario Galaxy, mais aussi faire les petits streams GeoGuessr comme d'habitude. Donc de toute façon, il y a la proc sur le Discord si jamais vous n'êtes pas dessus, mais de ceux que j'ai vus dans le chat, vous y êtes. Après, il y a peut-être des gens qui sont dans l'ombre et qui ne sont pas sur le Discord. En tout cas, on a toutes les infos là-bas, en plus il y a des gens sympas, donc ça régale. Et merci, merci d'avoir été là, donc comme je disais. On se retrouve donc, nous, Mercredi, on fera du GeoGuessr en tranquille. GeoGuessr tranquille, c'est-à-dire que on essaye de faire une game de GeoGuessr sans aller sur YouTube regarder des documentaires. On va essayer. Après, c'est pas dit. C'est vrai que la dernière fois, non, la semaine d'avant, j'avoue, j'ai un peu forcé. C'est-à-dire qu'on a commencé, à jouer à GeoGuessr au bout d'une heure et demie. Donc bon, sur 4 heures de stream, ça va très très vite. Je pense, mais bon, c'est pas grave, c'était cool en tout cas. Et puis voilà, Mizu a lancé GeoGuess. Comment ça, Mizu a lancé GeoGuess? Il est parti sur GeoGuessr là? Comment ça? Il est en stream, tu veux dire? Parce que s'il est en stream, je raid. Hein. Est-ce qu'il est en stream? Je regarde. Oh, il est en stream. Ok, bah vas-y, je raid la mise. Je vois qu'il est en stream. Mais écoutez, je vous envoie chez Mizu qui est en train de mapper de la France, de ce que je vois. Envie de mapper de la France. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vous envoie là-bas. On se laisse là. Et puis on se retrouve mercredi. Merci d'avoir été là. Hop. Mizu 427. Je vous envoie là-bas. A plus. Merci d'avoir été là. Très très cool comme soirée. Et ciao. Ciao ciao. Restez dans le raid. Bye bye.